Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver au moment de Samedi Sport. Comment vous portez-vous? Tout va bien, j'imagine. Moi, je vais bien. Maintenant, excellent week-end à toutes et à tous. Merci de votre fidélité, de votre soutien, de votre accompagnement. Merci aussi à Angelo Folico et Roméo Hétor Latif Yoruma. Bref, toute la rédaction de Sport FM qui a bien tenu la barque. Merci à Eloma Dovan, merci à tout le monde. Samedi Sport, on va dire de ce samedi 21 août 2021, vous propose de faire un tour ou bien un retour sur la prise de fonction officielle de Paolo Duarte, le successeur de Claude-Marie François Leroy. A-t-il les moyens de mieux faire? On va tenter d'analyser. Coupe d'Afrique des clubs, ASCO, champion du Togo, va devoir passer par les Libériens de LRPC Oilers en préliminaire de la Champions League CAF. L'ASK, pour sa part, va commencer en Coupe CAF avec la Concorde de Mauritanie. Qu'est-ce à dire? On le verra dans cette émission Cannes 2021, début d'année prochaine. Le pays hôte, le Cameroun, partage le groupe A avec le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert. L'Algérie, tenant du titre, loge dans le groupe E en compagnie de la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et les éléphants de la Côte d'Ivoire. Que dire de la Gambie, des Comores par exemple, qui sont des nouveaux venus dans la compétition? Analyse des forces en présence. Jeux olympiques, pourquoi le Togo a du mal à s'affirmer dans la compétition? Quels sont les problèmes? Nous recevons également l'association des anciens athlètes du Togo. Il y aura en studio la présidente de cette association, Judith Combatté, le vice-président Anani Adanke, et puis le secrétaire général qui est Julio Agugnon. Samedi Sport invite aussi Hans Massereau, ex-journaliste à Radio Lomé, patron du DEX Sport, ancien responsable du DEX Sport à la BBC aussi, ancien président de la GST, actuel directeur de la communication de Millennium Challenge Account au Niger. Rodrigue Iko, vous connaissez très bien Wadia Lantam, ex-capitaine des Éperviers, aujourd'hui entraîneur de l'AS Binan. Henri Akodo, le confrère d'Afrique Express Sport. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot, mise en onde à NAS PM. La vidéo, comme toujours, est l'affaire de Sir Von Elom. Moi, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Eh bien, comme toujours, on va vous permettre de bien vous installer pour suivre cette émission. On est parti de 9h à midi, vous le savez, il n'y a rien à dire. On va faire le sport au Togo, on va parler sport au Togo, en Afrique et partout dans le monde, vous allez le voir. Et on va profiter pour dire bonjour à ceux qui nous soutiennent, où qu'ils soient. Président Kamal, Léonce Bati, Brocadio Faustin, Kpadé Noukpadé, Dodi Le Mancunien, Orphée, dit le Bado, Mama Pamela, bonjour, tout va bien. B. Daoud, bonjour, Mohamed Touré, Thomas du Grand Marché, Brigadier Simliwa, merci pour tout. On dit bonjour également au président de la Fédération Togolaise de Basketball, André Bivaina Gungu, Mama Gorozozo, Mama Togo, Mama Sport FM, Gérard Selassie, Algor Agognan, Mariam Toutetoufeya, Nabede Meza. Ils sont très, 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 très nombreux. Épervier de Kégué, on n'oublie pas le personnel de la radio qui se bat tous les jours pour vous servir. Eloma Dovon, Anas PM devant moi, Michel Abali, ils sont très nombreux. Vous les connaissez d'ailleurs. L'administration également tenue par Gina Lawson, la supervision Aimé Pivette Clousset, Foudou Seydou. Et la fondation elle-même dirigée par l'honorable Joseph Kofi Tiko à Koda. On n'oublie pas la réalisation constituée de Roméo, Angelo Folico et Latif Yoruma, Grégoire Attignon, Joanita Blavrotiri. Vous savez, c'est une émission de toute la rédaction de Sport FM. Merci de nous accueillir. Eh bien, nous sommes très bien rentrés là-dedans maintenant, Samedi Sport de ce 21 août 2021. Merci de nous soutenir. Comme toujours, on va parler Europe avant de revenir ici. Et là, dans ces conditions, nous accueillons comme toujours Angelo Folicoé. Et bien sûr, derrière, on va parler avec l'association
les anciens athlètes du Togo. Voilà, et il y a eu renouvellement de bureau la dernière fois. Vous allez le constater dans quelques instants. Allez, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans Samedi Sport. Merci de nous faire confiance, merci de choisir Sport FM. Comme vous le savez, c'est la première rubrique de cette émission sur Sport FM. Et là, on retrouve Angelo Folico pour la page Europe. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, ravi de te retrouver. J'espère que tu vas mieux. J'espère. Ça va bien. D'accord. Merci d'avoir tenu la barque. C'est le minimum. Très, très bien. Alors, on parle des majeurs et on va commencer avec, on va dire, la première ligue anglaise, la deuxième journée. Et ce match déjà entre Arsenal et Chelsea, les Gunners déjà sous pression pour avoir perdu contre le promu déjà. Ben, le navire Gunner est en train, on pourra dire, de tanguer. C'est très compliqué pour Mikel Arteta à la tête de cette formation d'Arsenal. Il faut rappeler que lorsqu'on est sur place ou aux affaires pendant plusieurs années, c'est compliqué d'avoir un successeur parce que vous n'avez pas pris peut-être le temps ou vous n'avez pas peut-être affiché la bonne volonté de transmettre votre savoir à quelqu'un d'autre. Histoire, si jamais vous partez, qu'on puisse continuer sur votre façon de faire. Malheureusement, tout comme Arsène Wenger avec Arsenal, tout comme Sir Alex Ferguson avec Manchester United, on comprend simplement que leurs successeurs ont vraiment du mal, même si José Mourinho, à une certaine période, est sorti un peu du lot avec sa magie, sa maestria, en gagnant l'Europa League et puis un autre trophée, sauf la Première Ligue anglaise. Pour revenir à Arsenal, pour dire que cette année encore, ça risque d'être compliqué. La saison dernière, la formation des Gunners a terminé 8e, son pire bilan depuis 1994-1995, avec 61 points glanés sur voilà, le nombre de matchs, 38 joués en championnat. J'espère simplement que Arteta va essayer de limiter les dégâts. Mais est-ce que les dirigeants... C'est déjà perdu pour eux face à Chelsea? Non, c'est compliqué. Mmh. C'est compliqué parce que j'ai vu cette équipe d'Arsenal d'entrer face à Brentford, même si la ferveur des supporters à domicile du club promu en est également pour quelque chose. Mais au-delà, on n'a jamais vu une équipe qui a envie de jouer et de, surtout de faire la différence. Vous prenez Pepe, voilà, ma foi... Moi, je dis que c'est un joueur fainéant. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas du tout, même si vous coûtez 80 millions d'euros. Mais vous devez le prouver sur le terrain. À chaque fois que l'entraîneur vous fait confiance, mais mouillez le maillot. Faites le maximum. Mais malheureusement, on a l'impression que tous ces joueurs-là sont dans un confort indescriptible. Et j'ai l'impression que ça contente également les premiers dirigeants d'Arsenal, mais pas forcément Paul Kagame, parce que la dernière fois, lui, il a tout simplement envoyé un tuteur incendiaire à l'endroit de ce club-là, parce que n'oublions pas, Paul Kagame, exactement, finance, on pourra dire, guillemets, Arsenal. Il semble que c'est 40 millions de dollars par saison, c'est énorme. Pour avoir sur le maillot d'Arsenal visite Rwanda. Donc vous comprenez que, ma foi, aujourd'hui, Arsenal ne dégage rien de convaincant. Tout le contraire de Chelsea, qui est une équipe qui va bien, qui va même très bien, je pourrais dire. Mais quand on regarde un peu dans le rétroviseur, on pourra se dire que Chelsea a une autre politique de fer. Roman Abramovich, c'est un homme qui est très impatient, qui a beaucoup d'argent et qui est très ambitieux. Donc, vous venez à Chelsea, quel que soit le pédigré de l'entraîneur, vous ne faites pas plus de 2 ans. Histoire d'apporter toujours de la nouveauté, de la constance, quelque chose dans le suivi. On sait très bien que José Mourinho est passé par là, Carlo Ancelotti, Antonio Conte. Aujourd'hui, c'est Thomas Tuchel, mine de rien, qui arrive à peine 6-7 mois, gagne la Ligue des Champions, la Supercoupe de l'UEFA et a un groupe extraordinaire. Donc, peut-être que la formule Roman Abramovich est la meilleure. Mais à chacun de pouvoir le dire. Mais de toutes les manières, Arsenal face à Chelsea... C'est déséquilibré. Dans l'historique, oui. Mmh. Arsenal compte beaucoup plus de victoires que Chelsea. Mais dans la forme du moment, je ne vois pas comment Arsenal pourra renverser cette équipe de Chelsea. Quand on les voit jouer, vous sentez aujourd'hui une cohésion. Il n'y a pas forcément de grands noms, de grands stars, même si Romelu Lukaku est arrivé. Mais lui, c'est un renfort de plus pour cette équipe de Chelsea, de toutes les manières. Je pense que Chelsea va essayer d'enchaîner un second succès. Ça serait quand même bénéf pour Thomas Tuchel et ses hommes. Très bien, on verra. Je sais que là où vous vous trouvez, ça boue dans votre tête ou bien dans vos dents. Oui, parce que là, vous êtes supporter soit
des Gunners, soit supporter des Blues. On verra sur le terrain. Lorsqu'on quitte l'Angleterre pour prendre le chemin de l'Espagne, la Liga joue la deuxième journée aussi et c'est un match entre l'Espagnol Barça et puis Villarreal, deux clubs qui sortent de match nul. Oui, deux clubs qui n'ont pas eu, on pourra dire, de la verve lors de la première levée, mais j'estime simplement que côté sous-marin jaune, on est en train d'avoir un nouveau vent de fraîcheur parce que c'est une équipe qui a remporté la Ligue Europa récemment, ouais, avec Unai Emery, avec des joueurs voilà, qui sont, à ma foi, de joueurs très techniques et intéressants dans le jeu. Et on pourra compter, pourquoi pas, avec Villarreal cette saison. Mais le plus difficile, c'est de rester sur la durée. C'est là souvent que c'est compliqué. S'il y a des joueurs qui sont blessés, qui n'arrivent pas à faire le maximum de matchs comme le coach le souhaite, c'est très compliqué maintenant face à l'Espagnol Barcelone qui aussi souffle le chaud et le froid. Ouais. Ce n'est pas une équipe aussi constante, même si des fois dans le derby catalan, c'est une équipe qui est capable d'aller bousculer le géant ou le géant voisin barcelonais. Mais dans les matchs, c'est vraiment également compliqué. Mais je pense que c'est également ouvert pour Villarreal dans cette partie-là, histoire de grappiller des points parce qu'on n'est qu'en début de saison. Le maximum d'efforts à faire par rapport à ces escouades-là, c'est de grappiller des points avant le réveil des grands, que ce soit l'Atlético, le Real ou bien encore moins le Barça. Donc je me dis que le Villarreal, normalement, avec son football chatoyant, normalement devrait tout faire pour gagner ces trois points-là et histoire de continuer sa belle avancée au niveau de la Liga espagnole. De toutes les façons, Villarreal a été piégé par Grenade, vous le savez, lors de la première journée, ce qui a provoqué le courroux de Unai Emery parce que les sous-marins étaient supposés gagner ce match-là pour commencer. Alors, la Bundesliga, Leverkusen, Mönchengladbach, là également, ces deux clubs n'ont pas réussi à gagner lors de la première journée. Qu'est-ce que ça peut donner ? Non, ça veut dire qu'il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu dans ce match. Mmh. C'est important de tout de suite démarrer avec une victoire, même s'ils n'ont pas pu le faire lors du premier acte. Mais Mönchengladbach, la dernière fois face à l'équipe du Bayern Munich, je l'ai vu assez, engagé dans le bon sens du terme, agressif également. C'est un club qui a envie, ne serait-ce que pas forcément jouer les premiers rôles au niveau de la Bundesliga, mais faire au moins partie du top 4, pourquoi pas, en compagnie du Bayern, de Leipzig. Et ils y arrivent souvent. Ils y arrivent, justement. Parfois, donc, ils tiennent tête au grand. Donc aujourd'hui, c'est une équipe de Peter Bosch qui a envie aussi de faire quelque chose. Alassane Plea, oui, il est toujours dans le groupe. Il faut également voir la performance à venir de Marcus Thuram. Ça aussi, ça pourra aider l'équipe. Maintenant, côté Leverkusen, on sait très bien que c'est un club historique de la Bundesliga, mais l'actualité n'est pas aussi reluisante pour ce club de Bayern. Maintenant, on est à la maison, même si le public est en train de revenir progressivement, le stade ne serait pas forcément plein, mais toujours est-il qu'à la maison, il faut tout faire pour gagner les trois points parce que si Leipzig, si le Bayern, même s'il a piétiné, Borussia Dortmund ont lancé déjà leur saison, il ne faut pas avoir du retard à l'allumage. Ça, c'est important, histoire de ne pas être trop distancé dans cette Bundesliga que je trouve encore cette saison assez compétitive à tous les étages. Voilà ce qui est dit pour la Bundesliga. L'acte 2 de cette nouvelle saison. La Serie A n'a pas encore commencé, ce sera vraiment aujourd'hui. Et quels sont les enjeux, par exemple, avec l'Inter qui est le champion sortant, la Juve qui peut-être veut retrouver son fauteuil, et puis... Oui, mais je pense que pour la Serie A, la nouvelle cuvée, on aura encore à suivre naturellement la star de ce championnat qui n'est autre que Cristiano Ronaldo. On sait très bien que durant l'été, ça susurre de gauche à droite, il aimerait partir, il serait en train de... Voilà, etc., etc. La dernière fois, heureusement que la star portugaise a dû mettre les points sur les i en disant « Ne blaguez pas avec mon nom, ne vous amusez pas avec mon nom, tantôt on m'annonce
annonce au Real Madrid pour un retour. Je ne suis mêlé de ces informations. Donc, il a mis stop, je pourrais dire, à toutes ces rumeurs et se concentre justement sur cette Juventus qui, aujourd'hui, va être reprise par un certain Max Allegri qui connaît très bien la maison, avec qui la Juve a déjà aligné des Scudetti d'affilée. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Sûrement, son discours va complètement être différent d'un certain Andrea Pirlo qui, malheureusement, n'a pas réussi son coup avec cette Juventus-là. On peut être un bon joueur, mais pas forcément un bon entraîneur. Ça, c'est vérifié avec lui. À part la Juventus, on peut parler de l'Inter Milan. Aujourd'hui, orphelin de Romelu Lukaku. Lautaro Martinez, il est bien présent. Tout comme les autres, Skriniar et tous les Politano et tous les autres. J'estime simplement que cette équipe de l'Inter pourra garder cette verve-là. Mais je crains que ce ne serait pas forcément la même copie rendue par rapport à l'année dernière. Il faut également suivre cette équipe du Milan AC, Franck Kessier, qui aurait été également approché par d'autres escouades, mais il a dit non. Après les Jeux Olympiques, il est resté ferme là-dessus. Il reste au Milan AC. On sent et on sait que c'est aujourd'hui l'un des patrons du milieu de terrain de l'équipe Rossonera. Et puis, sans oublier quand même la formation du Napoli, avec ses joueurs intéressants, que ce soit Victor Osimhen, qui, ma foi, cette saison, pour moi, a une grande responsabilité. La saison dernière, il a fini avec 10 buts. Malheureusement, il a été pris par des blessures et c'était compliqué pour lui d'enchaîner des matchs et de faire de belles performances pour le club partout au pays. Maintenant, il doit être en forme parce que lors des matchs de pré-saison, il était en feu tout simplement. Il a même inscrit des buts face au Bayern Munich. Et donc, Victor Osimhen, pour moi, ça doit être la star en guillemets à suivre du côté de la Serie A italienne, sans oublier également la Roma d'un certain José Mourinho qui arrive avec... Peut changer quelque chose avec son retour à la tête d'un club qui se cherche depuis plusieurs années. Mais ceux qui aiment le Special One, ceux qui supportent la Roma s'il y en a, ils espèrent quelque chose de nouveau. Le dernier titre de Giallorossi remonte à 2001 de la période Totti et tous les autres. Donc c'est compliqué de pouvoir tout de suite rebondir au-devant de la scène quand on a la Juventus, l'Inter Milan, le Napoli, la Lazio Rome ou encore le Milan AC. Toujours est-il que Mourinho, on sait très bien que c'est un coach compétiteur qui n'a qu'une seule prêche, la gagne et rien que la gagne. Et j'espère qu'avec l'arrivée de Tammy Abraham, qu'il a connu chez les tout jeunes, 14-15 ans, du côté de Chelsea, là maintenant, il retrouve un homme mûr qu'il va avoir sous sa coupole, à qui il va donner des consignes précises sur le terrain. Et j'estime que ça va marcher. Donc, ça aussi, ça reste, je dirais, l'info ou l'événement qu'on doit suivre au niveau de cette Serie A italienne. À chaque sortie de la Roma de José Mourinho, les journalistes, les médias vont fondre là-dessus pour voir exactement ce qu'il va proposer. Et donc, on attend de voir exactement à quoi ça va servir. On pourra dire la nouvelle cuvée de la Serie A italienne cette année. Voilà, donc l'Inter qui va jouer contre Benevento, la Juve qui joue contre la Sampdoria et puis cette rencontre entre l'AS Rome et puis hélas Vérone. Dernier majeur, c'est la Ligue 1 française avec la troisième journée de la compétition et ce match très attendu déjà entre Nice qui a corrigé, souvenez-vous, le champion sortant Lille la dernière fois, Nice qui reçoit l'Olympique de Marseille. C'est un super match a priori parce que les deux équipes jouent assez ouvert, d'abord par le pédigré de leurs entraîneurs respectifs, Christophe Galtier d'un côté et puis de l'autre, Sampaoli. J'oublie le petit nom. De toutes les manières, c'est quelqu'un d'assez extraverti, je dirais même sanguin. Et ça déteint apparemment sur l'attitude des joueurs. Oui, c'est quelque chose également qu'on doit prendre en compte dans l'évolution des sports. Celui qui est votre guide, votre mentor, vous essayez de lui ressembler. Maintenant, le gros péché mignon de Marseille, c'est quand
l'équipe mène, elle a du mal à conserver. À une certaine période, lorsque vous marquez des buts à l'adversaire, vous l'avez peut-être surpris et donc vous menez au score. Mais l'idéal, c'est d'avoir également la science de conservation. On ne va pas les apprendre comment garder le ballon dans les pieds, mais à un moment donné, Sampaoli doit avoir également ce discours-là à l'endroit de ses joueurs. Vous gagnez, vous êtes en train de mener l'adversaire, gardez le pied sur le ballon, faites circuler, faites-les courir et à la fin, vous remportez la victoire. Malheureusement, en menant 2-0 le week-end dernier face à Bordeaux, l'Olympique de Marseille s'est sabordé. Et ça fait encore très très mal aux supporters qui ne comprennent pas du tout comment à domicile on pourra quand même faire autant de bourdes, notamment celle de Steve Mandanda. Je pense aussi que lui, il va falloir le fouetter. Soit on n'a pas le courage de le mettre de côté, soit il faut amener quelqu'un d'autre pour essayer de prendre la relève, parce que Mandanda est dans ce club maintenant, ça fait plus de 10 ans. Ouais. Et donc, à une certaine période, il se sent intouchable, presque indispensable. Ça ne se passe pas de cette façon. Et Sampaoli, normalement, doit se remettre en cause. Il faut également saluer côté niçois, en tout cas mettre 4 à Lille en début de championnat. Je pense que c'est une sacrée performance. Moi, j'étais d'abord surpris de voir Christophe Galtier choisir Nice. Nice, oui. Mais bon, il a envie de repartir un peu à zéro, ne pas considérer ce qu'il a fait avec Lille, en croyant qu'il était peut-être le meilleur. Mais là aussi, moi je salue l'humilité de l'homme. Et donc face à Marseille, attention, l'OM ne doit pas du tout sous-estimer cette équipe azurienne, sinon elle peut aussi prendre 4 comme Nice l'a envoyé à Lille récemment. Très bien, et on a fini avec les majeurs. On fait place désormais à la petite balle jaune et le tournoi de Cincinnati aux États-Unis, un tournoi très prisé par les professionnels de la discipline. Et là, ça se déroule dans le tableau masculin et féminin. Mais qui sont les favoris, les favorites ? Bon, côté masculin, en l'absence des trois, ouais. Djokovic, Nadal et puis Federer, on comprend encore une fois qu'à cette époque-là ou à cette étape de la compétition, j'ai envie de dire que les jeunes pousses doivent prendre le pouvoir. Mmh. Djokovic, oui, dit ne pas vouloir s'aligner sur Cincinnati. Ça se comprend. Il veut mieux se préparer pour l'US Open qui démarre en fin de mois. Nadal, malheureusement, qui a déclaré ce vendredi qu'il ne pourra plus s'aligner pour l'US Open parce qu'il souffre d'un pied qui vraiment le met en grosse difficulté. Le cas Federer, on le connaît bien. Son problème au genou, c'est compliqué pour lui de revenir au devant nouvelle de la scène. Nouvelle opération en vue. Donc, moi, je dis l'idéal, c'est de voir les jeunes pousses, surtout Alexander Zverev. Alexander Zverev, Daniil Medvedev, voilà, les deux, pour moi, qui sont capables d'aller jusqu'au bout. Parce qu'on prend un témoin, en tout cas, le travail formidable de Zverev lors des Jeux Olympiques. Ouais. Il a balayé Djokovic. Et allez, il est parti s'offrir l'or sur le cours de Tokyo. Et ça, c'est quand même une performance extraordinaire. Donc, je pense que les deux, pour moi, sont dans la forme de leur vie. Ils sont en train de titiller les gros. Maintenant, il faut garder la tête sur les épaules, ne pas s'enflammer, ne pas se précipiter dans les matchs, arriver à gagner suffisamment en confiance. Et le plus difficile également, c'est de pouvoir enchaîner les matchs. C'est là où se trouve souvent la difficulté pour les tennismen et tenniswomen. Mais bon, ce sont des professionnels. À ce niveau de la compétition, je pense qu'ils ont les moyens pour. Quand vous prenez par exemple le tournoi masculin, cette année, c'est plus de 3 millions de dollars de dotation. Chez les femmes, c'est 1 787 000 dollars. Donc, vous comprenez que la cagnotte aussi motive autrement les joueurs. Maintenant, côté joueuse, on pourra parler par exemple d'Ashley Barty, naturellement favorite pour justement ce trophée-là. Mais attention, on peut avoir aussi d'autres comme Bentic, comme Kerber. Pourquoi pas Ons Jabeur. Oui, j'aurais envie qu'elle aille encore un peu plus loin, la Tunisienne. Mais bon, en tout cas, le Vitova. Circuit. Pliskova également. Muguruza. Donc, il y a quand même des candidates au niveau des dames également. Surtout que Osaka s'est fait sortir par une inconnue entre griffes. Oui, mais son cas, on pourra le comprendre quand vous avez un père qui est haïtien. Ouais. Et tout ce qui s'est passé du côté de Port-au-Prince récemment avec des milliers de morts.
Oui, je comprends et je salue aussi son attitude à reverser tous les gains qu'elle aura récoltés du côté de Tintinati aux victimes de ce tremblement de terre-là. La dernière fois, elle était en sanglots. On le sent, c'est une fille très émotive. On se comprend. Ouais. Mais elle bon. Est jeune. De toutes les manières, c'est aussi ça la vie des sportives. Ouais. C'est aussi ça qui fait grandir votre notoriété. Autant vous avez énormément d'argent, n'oublions pas qu'Osaka, c'est l'une des joueuses les mieux payées au monde, ou je pourrais dire la sportive la mieux payée au monde, devant Serena Williams. Donc quand vous en avez autant, soyez généreux et ça fait du bien à l'âme. Ah, très bien, on verra bien ce que ça va donner. Dans le tableau masculin, il ne faut surtout pas oublier Tsitsipas. Pourquoi pas Roblev, parce que c'est des jeunes, des joueurs qui montent actuellement. Et là, on va terminer avec du noble art, la boxe, si vous voulez, chers auditeurs. Et ce retour de Manny Pacquiao, à 42 ans, qui monte encore sur le ring. Mais je suis surpris par sa décision à revenir sur les rings. On sait très bien qu'à l'heure où nous parlons, il est sénateur. Il est sénateur. Son pays, aux Philippines. Il a l'ambition d'ailleurs de devenir président. Intéressant, noble ambition. Donc, revenir sur le ring à cet âge-là, on sait très bien que dans les 6 différentes catégories au niveau de la boxe mondiale, il a été déjà sacré. C'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Ouais. Mais je me dis que souvent, ce genre de retour, ce n'est pas pour un défi sportif. C'est beaucoup plus un défi financier. Peut-être il a en tête un projet bien précis. On vient avec des millions de dollars, on récupère la cagnotte et on l'investit ailleurs, ne serait-ce que pour apporter un tant soit peu du réconfort à des personnes démunies qui ont besoin, je dirais, d'un coup de main. Lui-même, ici, il a été vendeur de gâteaux dans la rue. Exactement. Hein. Quand vous connaissez les Philippines, c'est un pays très, très pauvre, un peu comme le Japon. C'est une île également où voilà, les tsunamis et les tremblements de terre peuvent arriver à tout moment. Donc, ce retour face à Ougans, j'ai envie de dire, quand vous voyez son sparring partner, c'est quelqu'un d'assez géant, il a certes costaud, mais Manpack, bon, pourquoi pas avec sa petite taille, il pourra faire l'affaire. De toutes les façons, les paris ont déjà commencé, le combat, on est en train de le programmer sous peu, peut-être fin août ou soit la première semaine du mois de septembre, mais de toutes les manières, on comprend que tout a été fignolé en amont pour qu'on ait ce combat-là de Manny Pacquiao. De toutes les façons, je pense que c'est bien pour lui. Il a envie, comme il a dit dans son interview, de retrouver les bonnes sensations du ring et puis du public. On attend de voir, est-ce que c'est lui qui va gagner ou c'est son sparring partner. Toute la question est à ce niveau-là. Il appelle d'ailleurs ses supporters à suivre ce combat parce que selon lui, il y aura de très belles actions. La différence d'âge entre les deux challengers, Manpack 42 ans, l'autre 35 ans. Ouais. 7 ans de différence. On verra si ça fera la différence ou pas. Angelo Folico, on a tout dit ? Oui, je pense qu'on a fait le tour. Vignales suspendu, par exemple, par Yamaha. On l'accuse d'avoir voulu casser son moteur. Oui, de contrat. De façon, on pourra dire, responsable. Je ne sais pas pourquoi cela s'est passé ainsi. Mmh. Est-ce qu'il a envie de quitter, je dirais, son équipe? Ça se pourrait. Vous savez très bien, les pilotes, lorsqu'ils ont un contrat et à un moment donné, ils savent que pour la saison, ils ne sont pas capables de grappiller le moindre succès ou d'atteindre l'objectif que leur a été assigné à la table de signature de ce bail-là. Ils peuvent trouver des alibis. Maintenant, moi, je trouve que c'est assez sévère de la part de sa team de résilier son contrat de cette façon. Mais c'est quelqu'un de talentueux. Il peut rapidement rebondir ailleurs. Et j'espère plutôt que sa team n'a pas commis une grosse erreur en prenant cette décision-là. Mais de toutes les manières, c'est consommé. On va voir à quelle sauce il sera mangé dans les jours, les semaines à venir. Mmh. En attendant justement la semaine prochaine, un autre Grand Prix qui arrive justement. Donc peut-être va-t-il rebondir ailleurs. J'attends de voir. On attend de voir. Angelo Folicoué, merci d'être venu. Mille merci. Encore une fois, merci. Excellent week-end. Merci également à Elon Madovon qui est avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Merci et à très, très, très bientôt. Merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Merci de nous faire confiance. C'est Samedi Sport sur la radio qui mouille le maillot. On vous l'a annoncé en introduction. Nous avons en studio l'association des anciens athlètes du Togo avec sa présidente, Madame Judith Combatté. Bonjour, bonne arrivée.
bien. Oui, vous allez bien ? Je vais bien, et vous ? Ah, on rend grâce. Le vice-président qui est également en studio, Anani Adanke, bonjour. Tout va bien ? Ça va bien. Très bien. Et le secrétaire général qui est également en studio, Julio Agugnon, merci. Merci de venir partager quelques informations avec nous. Bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, bonjour et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Et en studio aussi, Hans Massereau, vous le connaissez, est-ce que je dois encore le présenter ? Il faut y aller quand même, ancien journaliste de Radio Lomé, patron du Dexport là-bas et en même temps ancien journaliste au niveau de la BBC, responsable du Dexport aujourd'hui. Il est le directeur de communication d'une agence au Niger. Il est enseignant également à l'université. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour Franck, bonjour à toutes et à tous. Merci. Alors, on va, si vous le permettez, observer quelques secondes de silence à la mémoire de l'ancien président de l'association des anciens athlètes et puis de tous les sportifs du Togo disparus. Bien, c'est donc la mémoire de Folie, Dovi, Blaise et puis de tous les autres athlètes disparus. Et on va pouvoir commencer par parler de cette association. Alors, pourquoi, Madame la Présidente, une association des anciens athlètes du Togo ? Alors, l'association des anciens athlètes du Togo, d'abord... a été créée pour regrouper en son sein tous les anciens athlètes du Togo et aussi dans les autres pays pour affermir les liens que nous avions déjà sur le terrain et aussi pour développer de l'entraide entre nous et aussi apporter notre expérience à nos jeunes sœurs et frères qui se donne dans l'athlétisme actuellement. Est-ce qu'il y a ce constat que les anciens athlètes sont un peu oubliés, un peu délaissés ? Quel est concrètement l'objectif ? Vous avez parlé de affermissement, des liens, l'entraide. Voilà. Qu'avez-vous constaté par rapport à ces anciens athlètes-là ? Effectivement, je confirme que les anciens athlètes sont délaissés pour leur propre compte. Et c'est pour ça que nous avons voulu les regrouper, se regrouper en une association à but non lucratif pour ne serait-ce que commémorer le vieux temps. Les vieux temps, il y en a qui ont fait des performances qui sont toujours là, mais qui ne sont pas reconnues sur le plan national. Nous-mêmes, entre nous, on essaie quand même de se faire plaisir de temps en temps et de se rappeler des bons vieux temps. À défaut de voir les autorités les faire, nous-mêmes on le fait. Et c'est des occasions pour nous d'échanges fraternels, d'amitié et aussi d'amour, quoi. Monsieur le vice-président, au-delà de l'entraide que vous voulez instaurer au niveau des anciens athlètes, sur le terrain, vous avez une vision, travailler avec ceux qui sont encore opérationnels. Vous l'avez fait. Vous avez été ? Oui, j'ai été un coureur de 400 et puis de 400. 400 plats et 400. Oui. Vos performances ? Bon, champion du Togo ? Non, pas champion du Togo, mais on a eu à participer à des compétitions sur le plan national, de même que sur le plan international au niveau de la sous-région, parce que la plupart des temps, il y a des compétitions qui sont organisées au niveau du tournoi de la solidarité, et que, étant donné que nous sommes des athlètes, ça nous permet au moins dans un premier temps d'aller connaître par exemple le Niger, le Mali, le Burkina ou bien le Bénin. Donc
c'était ça, en quelque sorte. Voilà. Quelles sont, on va dire, cette vie, vos visions par rapport à ces athlètes-là qui continuent de travailler sur le terrain? Bon, je peux dire que ben, notre vision, c'est un, de donner au moins quelques touches spéciales pour pouvoir essayer de donner un peu, comment dirais-je, du soutien. Parce que dans notre temps, on n'a pas eu tellement ces soutiens. Et c'est comme si il faut faire tout à ta manière parce que ben, il n'y a pas de soutien. Maintenant, étant donné que nous, au moins aujourd'hui, nous sommes un peu responsables, on se dit pourquoi ne pas essayer de leur tenir, de leur, comment l'appelle-t-on, soutenir pour pouvoir avoir au moins un bon niveau. Monsieur le secrétaire Julio Agugnon, ce n'est pas une nouvelle association en non. fait. Alors, elle vit depuis, mais on ne la sent pas en fait. C'est quoi le problème? Alors, effectivement, notre association a été créée en 2018, donc le 11 août 2018 que nous avons été créés. Nous avons eu notre Assemblée Générale Constitutive. Et nous sommes dans notre troisième année d'activité. Nous venons de renouveler, d'ailleurs, le bureau de l'association le samedi passé. Et alors, nous avons organisé des activités. Nous avons, par contre, organisé des activités pendant ces trois années-là. Le meeting de l'espoir. Le vice-président parlait tout à l'heure d'apporter notre soutien aux jeunes athlètes. Alors, nous voulons contribuer au développement de l'athlétisme au Togo. Et pour ce faire, nous pensons que le développement doit commencer à la base. C'est pourquoi nous avons initié une compétition, le meeting de l'espoir. Nous en avons déjà organisé trois éditions. Alors, l'année passée, nous n'avons pas pu l'organiser à cause de la situation sanitaire que vous savez. Donc, au cours de ces compétitions-là, nous donnons la chance aux jeunes athlètes des différents clubs de Lomé de compétir. Et à travers ces compétitions-là, nous détectons des talents. Donc, il faut dire que c'est cette activité-là, effectivement, qui montre l'association, en fait, qui révèle l'association. Oui. Très bien. En ce moment, une telle association, qu'est-ce qu'elle peut apporter, par exemple, de par vos expériences? Mais d'abord, il faut saluer l'initiative de la mise sur pied de l'association, parce que ça permet de faire, disons, l'inventaire des problèmes et d'essayer, autant que faire se peut, d'aider à trouver des solutions. Et en plus, c'est un réceptacle pour, disons, des talents, les anciens qui m'ont partagé les expériences avec les plus jeunes. Et c'est aussi une force de proposition, n'est-ce pas, et de pression, afin qu'on puisse rectifier le tir. Moi, je crois qu'il faut saluer ce qu'ils ont fait, et ce n'est pas du tout évident, d'ailleurs. Et ils ont eu à exposer les difficultés rencontrées. Et je crois que les problèmes qu'ils soulevaient aujourd'hui sont des problèmes structurels, en fait. C'est lié un peu à la gestion et à l'organisation du football de façon générale. On va y revenir tout à l'heure en parlant du football féminin et du football masculin. Je crois que pour des gens qui ont déjà eu à courir, à pratiquer l'athlétisme, à faire le haut niveau, il faut leur donner les moyens, n'est-ce pas, de transmettre, comme on dit dans l'athlétisme, le relais. Parce qu'ils en ont, ils ont du vécu, et cela peut constituer un substrat sur lequel on peut venir grappiller, n'est-ce pas, pour aller de l'avant. Ailleurs, ça se fait. Et en plus, il faut créer les infrastructures, parce que quel que soit le talent des athlètes, quelle que soit leur bonne volonté, et s'il n'y a pas de bonnes pistes, s'il n'y a pas des écoles de formation, des instituts, c'est vrai qu'ici, il y en a, et s'il n'y a pas l'encouragement et aussi les moyens, bon, cela va rester à l'étape des vœux pieux. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons depuis des années. Il suffit seulement de voir un peu les performances lors de ces grands meetings et aux Jeux Olympiques. Et c'est tristounet, mais il faut maintenant chercher à aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut mettre les moyens qu'il faut. Judith Combaté, vous êtes la présidente de cette association. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez désormais pour cette association, pas seulement au niveau de l'entraide, le raffermissement des liens entre peut-être les anciens athlètes, le vivre ensemble, au-delà de tout ça, vous n'avez pas d'autres ambitions, organiser des compétitions, par exemple, le secrétaire a parlé du meeting de l'espoir, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans vos cahiers de charges, dans votre agenda? Je vous remercie. Effectivement, l'Association des anciens athlètes a pour vision
de voir émerger nos jeunes talents. Et pour ce faire, nous organisons déjà la détection des talents, le meeting de l'espoir. Mmh. Mais au-delà de ça, pour nous, on souhaiterait, en tout cas pour les jours à venir, les mois à venir, que ça se fasse déjà à la base, au niveau des écoles. Parce qu'à partir de là, on peut les récupérer très jeunes et pouvoir les entraîner, les suivre jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment des athlètes performants qui peuvent nous représenter sur le plan international. Et aussi, nous souhaiterons que ces athlètes puissent vivre de leur passion. Parce qu'au Togo, quand vous voulez vous perfectionner dans le domaine sportif, et je dirais plus précisément dans l'athlétisme, ça veut dire que vous ne pouvez pas continuer vos études. Donc, n'ayant pas de diplôme, vous ne pouvez pas avoir une meilleure situation par après. Donc, il faudrait vraiment un accompagnement de ces jeunes athlètes pour pouvoir vivre, s'épanouir effectivement de leur passion. C'est notre objectif et nous souhaiterions vivement que la Fédération togolaise d'athlétisme nous écoute et qu'ils puissent tenir compte de nos observations dans leur programme. Voilà, Hans. Moi, je pense que il faut aussi solliciter les expertises de nos compatriotes qui ont fait leur preuve ailleurs. Vous savez, actuellement, le compatriote qui dirige le centre de formation qui est situé au niveau de Kégué, à savoir Raphaël Kodjou-Yagopoumé, c'est un haut cadre du sport mondial. Je précise bien ce que du sport mondial. Il a dirigé le CIAD de Dakar, où on forme les athlètes de haut niveau. Lorsqu'on parle de la Botswanaise, Amadou Moncho, lorsqu'on parle, disons, d'autres athlètes mauriciens. L'ivoirienne Marie-Josée Talou. Ils sont passés par là. Donc, il y a de l'expérience, il y a de l'expertise. Il faut faire confiance aux gens. Et ils peuvent aider, n'est-ce pas, à sortir notre athlétisme de son marasme. Elle vient de le dire, la présidente. Et en dépit de leurs efforts, il y a toujours des difficultés. Lorsque des gens qui ont ce vécu de haut niveau, lorsqu'on leur fait appel, lorsqu'on met les énergies ensemble et que les moyens sont également au rendez-vous, il va sans dire qu'on va gommer, n'est-ce pas, les imperfections et atteindre des objectifs. Sinon, bon, ça ressemblera à de la propagande, on parlera, et on veut faire ceci, on veut faire cela. Lorsqu'on n'aide pas, lorsqu'on ne met pas les moyens, elle en a parlé aussi, on n'aboutira à aucun résultat. L'excellence, comme on a l'habitude de dire, à un coût, à un prix. Naturellement. Alors, la présidente a parlé de moyens, elle a parlé, c'est déjà un appel aux sponsors, la fédération qui doit être l'un de vos partenaires, le ministère, et vous devez trouver d'autres sponsors pour pouvoir être présent sur le terrain, parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en place une association et puis disparaître derrière. Alors, une question me vient à l'idée. Vous avez vécu on va dire la chose. Selon vous, qu'est-ce qui fait que l'athlétisme au Togo ne décolle jamais? On a vu des fondeurs et des demi-fondeurs comme Kombaté Moïpa, comme Tchendou Malaba, mais qui ont terriblement manqué d'encadrement. Alors, que dites-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait le problème? Oui, je vous remercie. Dans un premier temps, il faut qu'on essaye un peu de faire du rétrospective. Moi, je me souviens quand nous étions petits, il y a toujours des compétitions qui sont organisées dans les vacances pour pouvoir faire la détection des talents. Par exemple, la course de relais sur route ou bien organiser des compétitions entre interscolaires. Maintenant, ces choses-là, c'est fini, ça dort, ça ne marche pas. Maintenant, et puis de deux, vous avez déjà des athlètes. Or, ici au Togo, il n'y a pas une école où on doit aller apprendre à faire l'athlétisme. Étant donné que nous sommes des élèves ou bien des étudiants, il faut aller à l'école aussi. Et quand est-ce que tu peux venir s'entraîner? Des fois, on sèche les coups pour aller s'entraîner. Mais on sèche les coups pour aller s'entraîner, donc il faut faire déjà la comparaison. Donc vous mettez en péril votre étude au dépens de l'athlétisme. Mais qu'au retour, vous n'avez rien. Vous revenez à la maison, vous n'avez même pas de quoi manger. Or, pour être un bon athlète, au moins il faut avoir un calendrier, au moins s'entraîner deux fois par jour. Mais si je n'arrive même pas à manger le matin, ben comment est-ce que je peux m'entraîner pour pouvoir avoir de meilleurs résultats? C'est ça le problème. Il faut qu'au moins déjà au niveau de tout le monde, chacun essaie de mettre la main à la pâte
pour voir qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir rehausser le niveau de l'athlétisme. Avant, dans le temps, ben, quand on se dit Togolais et qu'on doit faire une compétition, ben, les Béninois, ils ont peur de nous. Les Nigériens, ils ont peur de nous. On se rivalisait toujours avec les Maliens. Mais aujourd'hui, le Togo, quand on va au tournoi de solidarité, la plupart des temps, c'est, on est toujours dernier. Parce que, ben, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne mettez pas de l'argent dedans, les gens sont là, ils ne mangent pas. Ça ne peut jamais évoluer. Oui. Vous avez autre chose à ajouter? Ouais. Quand on prend, par exemple, le sprint aujourd'hui, lorsqu'on les Jeux olympiques sont organisés, on voit les Nigériens, on voit les Ivoiriens, on voit les Sénégalais, les Ghanéens, mais les Togolais, ou bien le Togo est toujours absent. Oui. Au-delà du problème que le vice-président a souligné, moi je veux souligner le point de la formation. Pour avoir des bons athlètes, juste ici nous parlons des sprinteurs par exemple, pour avoir de bons sprinteurs, il faut des grands entraîneurs. Alors, nous n'avons pas misé sur la formation des entraîneurs. Alors, s'il n'y a pas d'encadreur pour former les athlètes, pour encadrer les athlètes, c'est difficile qu'on puisse avoir de bons athlètes. Les encadreurs manquent ici, c'est ce que vous voulez dire? Je veux dire les encadreurs de haut niveau. Il n'y en a pas? S'il y en a, il y en a très peu. Très peu. Des encadreurs de haut niveau, il y en a très peu. Alors, je peux dire... Enfin, On a des athlètes à l'image de nos encadreurs, quoi. Voilà. oui, Madame la Présidente, oui. Pour continuer dans le même sens que le secrétaire général, je dirais qu'il nous manque aussi des équipements. On n'a pas de quoi s'entraîner. Il y a des clubs qui sont là qui n'ont même pas de poids, qui n'ont même pas de chrono pour chronométrer ce que les athlètes font. Donc, on a besoin il faudrait que ces clubs-là soient équipés et qu'ils aient des formations continues pour qu'ils puissent avoir vraiment les techniques requises en la matière et pouvoir former les athlètes de haut niveau. Et au-delà de ça, il faudrait aussi qu'on prime l'intérêt de l'athlétisme au lieu de l'intérêt personnel, c'est-à-dire mettre les gens à la place qu'il faut. Bien. Hans Massrou, oui, vous aviez entre-temps parlé de problèmes infrastructurels. Est-ce qu'il faut y voir ce manque de volonté de l'État? Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est l'État qui doit donner, on va dire, un signal. Je veux, d'ici 10 ans, que l'athlétisme togolais soit à un niveau mondial, par exemple. Mais tout à fait. C'est-à-dire que dans un pays, les infrastructures sont de l'apanage de l'État. Et maintenant, il y a aussi des privés parfois qui font la promotion de certaines disciplines. Mais au niveau de nos pays, c'est essentiellement l'État. Et je crois qu'il faut insister beaucoup sur non seulement les infrastructures, mais également la formation, parce que la formation, c'est la base. Vous voyez, on a des anciens qui ont leur volonté chevillée au corps, mais ils n'ont que cette volonté. En dehors de cela, ils sont limités parce que n'ayant pas fait la formation. Et aujourd'hui, vous savez, la formation, elle évolue. Il y a de nouvelles technologies qui sont appliquées au sport. Lorsque ces anciens, qui, en dépit de leur courage, de leur énergie, n'ont pas eu à remettre au goût du jour leurs connaissances, il va sans dire qu'ils sont largués. Et vous allez à des compétitions, vous êtes perdus parce que la technologie mise en œuvre, vous ne vous y connaissez pas. C'est un peu comme des footballeurs aussi qui évoluent dans nos championnats, lorsqu'ils ont la chance d'aller évoluer, de jouer à l'extérieur, lorsque l'entraîneur se met à parler, n'est-ce pas, de tactique et qu'on fait de la projection, on utilise la technologie, des fois certains sont largués. Donc, ils doivent lutter pour être au même niveau que les autres, le temps que les autres là aillent de l'avant. Donc, il y a forcément un gap. Et je crois qu'il faut les infrastructures. Ce problème est général en réalité. Le football a les mêmes problèmes, le handball, le cyclisme. Le problème est structurel, ce n'est pas conjoncturel. Donc, lorsqu'on apporte des solutions conjoncturelles, on ne règle pas le problème. C'est un peu comme un patient qui a plusieurs pathologies. Lorsque vous traitez une seule pathologie, vous n'avez rien fait. Donc, il faut réellement avoir une politique sportive. On en a parlé longtemps. C'est cette politique sportive qui va prendre en compte toutes les difficultés et trouver une solution idoine. Ils ont beaucoup insisté sur les sports de masse. On se rappelle, lorsqu'on était encore plus petit, il y avait, même au niveau du football, nous, on a eu à jouer, je me rappelle très bien, on a eu à jouer ce que nous appelons les sports de masse. Il y avait des compétitions, il y avait une grande émulation. Il y avait également les championnats scolaires. Et les championnats scolaires étaient vraiment très, très relevés.
des joueurs qui ont même évolué en équipe nationale ont été détectés au cours de ces compétitions. Donc, il faut revenir à la base et créer l'émulation. Maintenant, il faut qu'il y ait aussi une gestion sérieuse parce qu'il y a beaucoup de disciplines qui ressemblent vraiment à une ruche où il y a trop de crises, ce qui fragilise complètement l'attelage. Donc, ces différents problèmes-là font qu'on ne peut pas attendre grand-chose de l'athlétisme. Et en plus, les athlètes n'ont que leur volonté. Et de façon triviale, il a parlé, les gens ne mangent même pas. On ne peut pas faire l'athlétisme de haut niveau sans qu'il y ait, disons, de la diététique, sans qu'il y ait une certaine exigence liée au haut niveau. Parce que le haut niveau demande beaucoup de moyens. Maintenant, est-ce qu'on veut rester amateur ou on veut être professionnel? Si on veut être professionnel, il faut mettre les moyens qu'il faut. Il faut mettre les moyens qu'il faut. Quelles sont les relations avec le Centre de développement de l'athlétisme africain, ici, dirigé par Raphaël Agopoumé? On vient d'en parler. Vous l'avez déjà approché? Oui, oui, on l'a approché. C'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur, je confirme. Et d'ailleurs, il a mis la salle à notre disposition pour organiser notre AG. Et il nous aide vraiment beaucoup de par ses conseils. Donc, je profite au passage pour le saluer et le remercier pour son soutien qui est toujours permanent. Alors, lorsque vous jetez un regard sur les derniers JO, il y avait 5 athlètes au niveau du Togo. Ben, on ne les a pratiquement pas vus. Au fond de vous, qu'est-ce qui vous a traversé, en fait? Non, disons que ça m'a rappelé mon époque. Ça m'a rappelé un peu mon époque. Vous avez fait quelle discipline? J'ai fait le 100, 200, saut en longueur et triple saut. Ça m'a rappelé le bon vieux temps, je dirais, qui malheureusement ne se voit plus à travers les compétitions que nous vivons aujourd'hui. J'étais vraiment, disons, pas peinée, mais... Triste. Triste que nous ayons eu ce résultat malgré toute la volonté qui est là. Mais je ne désespère pas. Je fais confiance à la nouvelle bureau qui est installée au niveau de la Fédération togolaise d'athlétisme. Madame Dogo, que nous saluons, effectivement, qui a eu à développer un programme qui n'est pas des moindres. Donc, nous profitons pour lui témoigner notre disponibilité en cas de besoin. Et nous allons toujours collaborer avec elle au besoin. Donc, nous sommes partis pour une bonne partenariat entre la Fédération togolaise d'athlétisme et l'Association des 3AT pour le meilleur de l'athlétisme au Togo. Très bien. Monsieur le secrétaire, sur quel terrain on peut vous retrouver très prochainement? Alors, très, très prochainement, nous pensons relancer le meeting de l'espoir. Alors, nous allons travailler à organiser ça, si tout va bien. Expliquez un peu, c'est quoi ce meeting de l'espoir? Le meeting de l'espoir, c'est l'occasion de revenir sur l'historique. Nous nous sommes dit, pour développer l'athlétisme, il faut avoir une vision, il faut faire un plan. Alors, déjà, lorsque nous étions en 2018, la première édition a eu lieu en 2018, et nous visions déjà les Jeux olympiques de la jeunesse qui devraient avoir lieu en 2022 à Dakar. Donc, c'était l'idée, c'était ce qui nous avait motivés à organiser cette compétition-là pour les minimes et les benjamins. Alors, cette compétition va nous permettre de détecter les différents talents, les mettre à la disposition des différents clubs ou des entraîneurs qui sont chevronnés. Et ces entraîneurs-là vont les préparer, vont les aider afin qu'ils soient disponibles à faire de bien meilleures performances aux Jeux olympiques aux Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar en 2022. Malheureusement, avec la situation du Covid-19, le projet n'a pas pu aboutir. Mais on ne va pas se limiter à cela. On va avoir une vision à long terme. Il y a d'autres compétitions qui arriveront. Déjà, les Jeux olympiques de 2024 à Paris doivent déjà se préparer dès maintenant. Même ceux de 4 ans plus tard encore. Donc, nous voulons, par cette compétition-là, permettre aux jeunes de se frotter
de temps en temps. Nous l'organisons deux fois dans l'année. Donc, afin que les jeunes qui n'ont pas souvent l'occasion de participer à des compétitions puissent se familiariser à la chose. Donc, ce faisant, on va détecter les talents, les mettre à la disposition. Et par rapport à cela, on en a discuté même avec le directeur du EEDC, M. Raphaël Agopomé, qui était disposé à former un comité d'entraîneurs qui s'occuperont de ces différents talents que nous avons détectés. Donc voilà les projets que nous avons très prochainement. Donc, Anani, on est pratiquement à la fin de cet entretien. Oui. Que voulez-vous dire ? Moi, ce que je veux dire, c'est que on doit avoir une vision sur les Jeux Olympiques de 2024 qui va se tenir à Paris, par exemple. Au moins cette année, on sait qu'on a eu à avoir 5 athlètes qui sont partis représenter le Togo. Maintenant, avec le temps, il faut qu'on ait une idée si on peut avoir au moins 10, 20 ou bien 30 qui seront détectés et prendre en charge et puis on va voir ce que ça va donner. Mmh. Oui. Très bien. On donne la parole, Madame la Présidente. Vous voulez terminer sur quoi ? Sur des mots de remerciement à l'égard de tous les anciens athlètes du Togo qui ont bien voulu placer leur confiance en ma personne. Mes remerciements également à Madame Doko, la présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme. Mes remerciements à Monsieur Agopomé. Mes remerciements à Monsieur Victor de Knot. Monsieur Victor Lama. Lamega, voilà, ouais. de Knot aussi, qui nous ont soutenus beaucoup lors de notre AG. Mmh. Et je voudrais réitérer notre disponibilité à travailler auprès de la Fédération togolaise pour le développement de l'athlétisme au Togo. Très bien. Judith Combaté, vous êtes la présidente de l'association des anciens athlètes du Togo. Merci d'être venue. Julio Agougnon, vous êtes le secrétaire général de cette association. Merci. Et à Danke Anani, vice-président de la dite association. Bon courage à vous, ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Et revenez quand vous voulez, Sport FM, c'est votre maison. Samedi Sport qui se poursuit sur la radio qui mouille le maillot. On a de nouvelles têtes en studio. Wadia Lantam, vous le connaissez, ex-capitaine des Éperviers. Il a été entraîneur dans beaucoup de clubs aujourd'hui. C'est lui qui permet, quand même, il faut le préciser, à l'AS Bina de garder, de maintenir sa place en première division. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck. Tout va bien ? Oui, très bien. Très bien. Nathalie Badaté, la capitaine des Amis du Monde, ça va ? Oui, ça va, bonjour. Jaguar Koulibaly, le chargé de communication de ce club. Oui, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Sport FM. Nathalie Badaté, après 3 journées de compétition, que dites-vous ? Comment ça se passe ? Je dirais que ça se passe bien. Tout se passe à merveille dans notre club surtout. Et le championnat, je pense que le gouvernement togolais fait son maximum. Mmh. 3 matchs, 3 victoires, c'est facile dans votre groupe ? Oh non, je dirais pas. Mais bon, du moment où on est revenu d'une grande compétition, donc disons que notre niveau est un peu supérieur aux autres équipes. Donc du coup, ça nous a facilité la tâche. Alors, quelle comparaison faites-vous justement par rapport au football au niveau continental, parce que vous êtes déplacé pour aller en Côte d'Ivoire. Et comment ça s'est passé, le niveau ? Comparativement aux autres pays, je pense qu'ils ont démontré qu'ils sont un peu en avance. Ils se sont vite réveillés que nous, les Togolais, et ça allait un peu plus vite. Mais techniquement, elle ne nous dépassait pas vraiment. Donc je pense que si on arrive à être au même niveau qu'eux, je pense qu'on pourra faire de belles choses. Nathalie Badaté, qu'est-ce qui manque pour le football féminin ici ? C'est les infrastructures, c'est les moyens, ou bien la tradition parfois, il semble que les filles doivent rester à la maison pour aider les parents. Tout à fait. Oui. Ouais, je pense qu'il manque beaucoup d'infrastructures, de la volonté et aussi franchement des moyens. Parce que sans les moyens, on ne peut pas faire grand-chose. Aujourd'hui, en championnat,
On en a organisé dans le passé, ça n'a servi à rien. Aujourd'hui, lorsque vous voyez en championnat, vous vous frottez à d'autres clubs, qu'est-ce que ça vous fait ? Oh, franchement, ça nous fait plaisir et ça nous donne aussi les ailes de pouvoir aller au-delà des attentes du Togo et surtout de notre club Amis du Monde. La suite de cette compétition, qu'est-ce que ça va être ? Vous n'êtes pas inquiété visiblement sur la phase aller. 3 victoires, 9 points. La suite, c'est comme un couteau dans du beurre ? Non, pas forcément, parce que déjà, il y a la fatigue qui s'installe. Et secondo, on s'inquiète après la phase retour, ce qui va suivre. Donc, tout est problème et je pense que ça ne va pas être facile du tout. Qu'est-ce que vous demandez pour la suite ? Oh, on demande surtout que le gouvernement mette un peu du beurre dans le pain pour nous, les joueuses, et comme les pour équipes. Pour le moment, le pain est sec. Vraiment. Jaguar Coulibaly, oui, votre club est en bonne position. Pas sous pression, on peut dire, parce que là, dans le groupe, il n'y a pas d'adversaire, on peut le dire. 3 matchs, 3 victoires. Comment ça se passe ? On ne pourra pas dire qu'on n'est pas sous pression. Vous savez, quand vous revenez quand même d'une compétition, vous êtes la bête noire. La bête à battre, c'est Amis du Monde. J'ai dit quelque part ce matin que la compétition d'Abidjan a ouvert quand même les yeux à tout le monde, que ce soit en Afrique ou au Togo. Et tous les clubs féminins veulent aujourd'hui aller représenter le Togo. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre développement, on avait quand même organisé le championnat dans le temps, ça n'a servi à rien. Mais si, il y a de cela 2 ans, une compétition qui a servi, qui a permis à Amis du Monde de participer à une compétition, je crois que dans la tête des filles, dans la tête des présidents de clubs, c'est un déclic. On se dit, nous aussi, on peut faire ce que Amis du Monde a fait. Alors, la pression, elle est là. Et c'est à nous et au staff de voir comment gérer cette pression. Surtout que nous sommes revenus d'Abidjan avec plein de blessés. Plein de blessés. Et on essaie quand même de gérer avec celles qui n'ont pas pu voyager et celles qui sont un peu en bonne santé. Donc voilà, la pression, elle est là et on doit gérer. Que dites-vous de cette organisation du championnat ? Il y a des choses à améliorer ou bien tout va bien ? Mais il y a plein de choses à améliorer, vous savez, même si la fédération qui organise cette compétition, même l'a dit, il n'y a pas de perfection dans ce monde, tous nous le savons, mais nous devons quand même aller à la perfection. Vous savez, j'ai eu quand même cette chance-là de participer à une émission à Abidjan où on parlait quand même du niveau des championnats dans la sous-région, où en Côte d'Ivoire, un confrère me disait que les clubs féminins ont une subvention de 5 millions. Et ils attendent la veille des Caritas, puisqu'ils sont, ils sont en plein championnat aussi. Ils étaient à la 8e journée avant que nous on aille à Abidjan. Et ils ont attendu à la veille pour encore réclamer plus parce que les 5 millions ne servaient pratiquement à rien. Et je les ai dit que nous participons à cette compétition en jouant un championnat avec 1 million. Vous voyez déjà la différence. Et au même moment, nos adversaires, ceux que nous on a pu triompher facilement, ont participé à des compétitions avec 5-10 millions. Donc, je crois qu'au niveau de la fédération, au niveau du ministère des Sports, il faudrait qu'on ait quand même un œil un peu regardant, surtout côté financier. Alors, nous parlons de l'émancipation de la femme, de la jeune fille. Je crois que nous devons quand même mettre la main à la poche pour injecter un peu d'argent. Pas seulement dans le foot féminin, mais quand même dans le sport, dans son ensemble. On va écouter Edwige Apedo, la consoeur qui se prononce par rapport à ce championnat. On ne commence pas à organiser ce championnat, même si certains parleront de gala parce que ce n'est pas vraiment ce qu'on désirait, mais quand même il faut commencer quelque part. C'est ce qui a été lancé il y a quelques jours. Et quand vous voyez les prestations des joueuses sur le terrain, vous vous dites qu'on a de la matière. En matière de football féminin, c'est l'organisation qui manque pour qu'on ait un football féminin à un niveau très élevé. Donc aujourd'hui, démarrer le championnat, c'est bien. Maintenant, on va continuer par suivre pour voir comment les choses se déroulent.
monde. Mais au niveau des clubs féminins, on n'a pas d'abord assez de joueuses. Et quand vous arrivez à former une équipe et vous n'arrivez pas à garder cette équipe-là, et puisque les compétitions ne viennent pas à tout moment régulièrement, les filles vont partir. En plus, quand vous voyez dans certains clubs, bien majoritairement, les clubs ne paient pas de salaire à ces filles-là. C'est quand il y a des compétitions qu'on se dit, vous avez telle prime pour la victoire, pour le match nul. Et souvent, même quand peut-être la meilleure joueuse ou bien le président peut décider d'accord d'offrir des enveloppes à certaines joueuses parce qu'elles ont fait bien sur une rencontre, elles étaient bien et tout. Donc, il faut une réorganisation totale au niveau du football féminin parce qu'on ne peut pas continuer toujours, pas faire jouer des filles sans rien parce que les filles jouent, mais quel salaire elles gagnent à la... Edwija Pedo, Yvette Clousset de la commission du football féminin à la Fédération Togolaise de football. Pour nous, à la Fédération, le football féminin, c'est notre bébé et il faut qu'on l'entretienne. Maintenant, il y a un renouveau, un nouvel élan, comme ça se dit. On ne peut que les encourager. Ils avaient demandé un certain montant qu'on peut... Moi, je peux qualifier de minimum. Et la Fédération et l'État, de concert, ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Parce que dans leur doléance, ils voulaient avoir 3 500 000. Et avec ce qui se fait aujourd'hui, la Fédération va donner 2 millions et l'État 1 million. On est pratiquement à 3 millions. C'est encore une goutte d'eau dans la mer. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'au niveau du département, on est en train de travailler pour rencontrer ces grandes dames-là de l'État pour qu'elles puissent nous aider. Il y a des rendez-vous qui ont été pris. Des projets sont en train d'être élaborés pour qu'on puisse aider ces jeunes filles-là pour que le football féminin puisse aller de l'avant. Prochainement, nous, on va revenir avec les médailles d'or. On ne va pas attendre les JO. Très bien, Yvette Clousset, à l'instant. Alors, Henri Akodo, oui, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à nos chers amis auditrices et auditeurs. Tout va bien. Je me porte bien. Un mot sur ce championnat. On a déjà bouclé la phase aller avec des clubs qu'on voit dominer la compétition. Atleta, Amis du Monde, qu'on ne présente plus. Voilà. Et puis Arré, 3 victoires aussi. Que dites-vous? Il y a véritablement une certaine amélioration au niveau de la qualité de jeu. Surtout quand je regarde un peu les équipes. De la zone sud, notamment Amis du Monde et Atleta, beaucoup de maîtrise collective et technique de la part de ces équipes. Amis du Monde, ce n'est pas surprenant quand même quand on a vu un peu les performances idylliques qu'a réalisé cette formation lors du récent tournoi de l'UFOAB qualificatif pour la Ligue des Champions féminines. Donc c'est quand même intéressant. Rebecca Amignon, elle est en train de faire progresser ces joueuses-là. Et donc, visiblement, elles sont en train de pouvoir broyer tout sur le passage. Maintenant, à côté de ça, quand je regarde un peu les équipes du Nord, je constate véritablement qu'il y a un déséquilibre entre ces deux équipes, ce qui est illustratif du fait que certaines équipes n'ont pas eu le temps approprié pour pouvoir bien préparer ce championnat. On parle de moyens financiers, mais également il faut mettre l'accent sur l'aspect physique. Puisqu'il n'y a pas eu assez de temps pour la préparation, les équipes n'ont pas pu préparer le foncier. Les corps sont mis à rude épreuve. Le championnat est en train de se dérouler dans un calendrier assez infernal et tout cela rejaillit un peu sur la production de jeu de ces équipes-là. Donc je pense qu'il va falloir, au-delà de l'organisation de ce championnat, sur le long terme, se projeter véritablement, mettre en place un projet de développement du football féminin assez pragmatique, assez rationnel, assez efficient, parce qu'on ne peut pas continuer par végéter dans, entre guillemets, dans la complaisance, parce que organiser un championnat sur 2 mois, je pense que c'est minimaliste. On veut véritablement que des talents sortent également dans ce cru local pour pouvoir rivaliser avec les autres nations du continent. Quand on voit aujourd'hui la jeune joueuse nigériane Asisat Oshoala décrocher la Ligue des Champions avec l'FC Barcelone, on en rêve également. Donc j'espère que visiblement les autorités vont mettre en place un projet clair de développement du football féminin, ce qui permettra à notre sélection nationale de pouvoir rivaliser avec les autres sélections de la sous-région. Oui, c'est vrai, vous pouvez vous projeter un peu sur cette compétition, vous en avez eu des nouvelles? Oui, tout à fait. Bien que je sois popé, je suis de très près ce qui se passe. Déjà, il faut saluer le fait qu'on ait relancé le championnat féminin. C'est vrai que les conditions sont difficiles, le contexte, disons, l'exige.
Mais le fait déjà de commencer à rejouer est une bonne chose. Ça va créer une émulation forcément, surtout qu'il y a des locomotives comme Amis du Monde, d'ailleurs la formation pionnière au niveau du football féminin. D'autres vont suivre forcément. Alors on parlait des équipes du Nord. Ce n'est pas catastrophique en tant que tel, parce que je crois que avoir l'exemple de Amis du Monde qui a participé à une compétition internationale, les autres vont prendre de la graine et essayer de faire comme Amis du Monde. Mais forcément, il faut mettre les moyens. Parce qu'au-delà de la bonne volonté, on ne peut pas aller à chercher des résultats s'il n'y a pas un minimum de moyens. Parce que c'est ça qui va créer, n'est-ce pas, cette émulation. Et tout à l'heure, j'ai entendu parler d'un million. Un million, c'est une broutille. Franchement, c'est une broutille. Et le dire ailleurs même, ça fait sourire. Donc, il faut faire en sorte de considérer le football féminin à sa juste valeur. Et moi, j'invite la fédération. C'est vrai qu'il fait des efforts. D'ailleurs, je salue au passage la consoeur Yvette Clousset et qui se bat pour pouvoir relancer véritablement cette compétition. Il faudrait que les projets soient bien ficelés parce qu'il y a de l'argent sur le plan international dans le football féminin. Et il y a des possibilités d'avoir des infrastructures. Parce qu'il n'est pas question qu'on puisse investir beaucoup dans le football masculin et maintenant laisser de s'apponter au football féminin. C'est une forme d'injustice qu'il faut rectifier. Même si dans notre sociologie, le football féminin n'a pas encore la place, j'espère qu'il mérite, ça va venir. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous, des médias, on doit aussi aider pour que l'opinion puisse s'intéresser davantage à ce football et saluer les efforts des encadreurs et des dirigeants qui, franchement, font du sacerdoce parce que c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie à y consacrer. Mais si au bout du rouleau, il n'y a pas l'encouragement qui doit venir, disons, des institutions chargées de la gestion du football, ça peut poser problème. Mais moi, j'ai bon espoir. Très bien. Wadia, vous voulez vous prononcer également par rapport à cette compétition? Ben, écoutez, je pense que, comme l'a dit mon frère Hans, que je salue, que je retrouve aujourd'hui après tant d'années, plusieurs années, plusieurs années. Il faut reconnaître que déjà au football masculin, dans le temps, c'était pour les tarés et nos mamans ne voulaient même pas, nos parents ne voulaient même pas qu'on aille jouer. Et aujourd'hui que le football féminin, tout le monde essaie d'envoyer son enfant jouer et jusqu'à ce que le football féminin sorte du lot. Franchement, je salue le club Amis du Monde pour ses performances. Et franchement, ils font honneur au football féminin au Togo. Nathalie, pour la suite, qu'est-ce que vous voulez dire à vos supporters, par exemple, parce qu'ils attendent certainement quelque chose d'Amis du Monde? Bah, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'ils continuent à nous supporter et ce qui est sûr, on ne va pas les décevoir. On va le mettre plein à la vue et je suis sûre que tu iras bien. Il y a des doléances pour la suite? Bah oui, tout ce que je peux demander, c'est de dire à la fédération d'essayer à la fin de ce championnat de primer des joueuses, peut-être les meilleures buteuses, les meilleures joueuses, les meilleurs clubs, les meilleurs coachs, et ça ferait vraiment plaisir. Pourquoi pas ambition, par exemple, de Nathalie Badaté, lorsqu'on fait la comparaison un peu avec ma fille qui est au niveau de la France, c'est tentant, on veut aussi? Oui, bien sûr. C'est pourquoi les efforts de chaque jour, et aller signer à l'international et faire valoir le football féminin du Togo. Quelle est votre référence? Bon, je ne sais pas. Pour moi, c'est tout est bien à prendre. Très bien. Bon courage à vous, Jaguar Koulibaly, merci. Et bon courage aussi. On est ensemble, on se retrouve. Ah, merci beaucoup. À très, très, très bientôt. Merci. Et là, on prend la direction de Sokodé où se retrouve Guler Inoussa. On va partager avec lui l'actualité ou bien les nouvelles du Septentrion. Guler, bonjour. Bonjour, Franck Nouniama. Bonjour, fidèles auditeurs. Quoique le patron est de retour, tout ce que Dieu fait est bon. Merci d'être parmi nous. Même si vous êtes en convalescence, vous avez repris. Félicitations à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, chers auditeurs de Sport FM Lomé. Guler Inoussa, depuis le centre du pays. Bon, même si tu es à Kara, c'est à 70 km de Sokodé, c'est toujours pratiquement la même chose. Alors, on parle de l'ASK, et déjà, qui s'apprête. Oui, l'ASK, football club de Kara,
l'association sportive des chauffeurs de la CARA. Vous n'êtes pas à savoir qu'ils sont qualifiés pour la compétition africaine comme l'ASCO Football Club, ASCO qui est parti le week-end écoulé sur Lomé, les dernières nouvelles, il semblera qu'ils sont au Ghana. Mais pour la SK Football Club de Terrain, ils sont seulement dans la cause où ils s'entraînent matin, soir, pour mettre en jambe cette équipe des conducteurs qui finira par aller pour la Coupe CAF. Vous connaissez déjà l'adversaire. Ils joueront contre ces Mauritaniens. C'est Mauritanien aussi, parce que tu me calcules, je te calcule. Cela permet aux conducteurs de se préparer correctement. Et puis cet après-midi, il faut jouer le premier test avec Tchaoudjo Soccer Academy. L'académie qui se trouve à Sokoré, ils vont fouler le stade municipal pour ce match amical. Et selon le programme des conducteurs de la COSA, et après, ils vont se déplacer pour jouer de Sokoré. Le match aura lieu à Sokoré. Et puis finalement, tard dans la soirée hier, le bus retapé, refectionné, a foulé le stade municipal de Sokoré, et le stade municipal de Kara, où tout le monde a apprécié cette refection de ce bus qui va transporter de gauche à droite les conducteurs de la Kara. Le groupe est au grand complet après le match amical des éperviers à Prive. Les 7 ou les 8 qui sont là sont de retour dans la Kara. Et je crois que même si cet après-midi, ils ne vont pas fouler le sol, ils ne vont pas fouler le stade municipal de Kara pour ce match amical. Ils vont se reposer les 3 Nigériens venus du stade malien où, après analyser, après la séance d'entraînement, on a délibéré un. Maintenant, il y a 2 de beaux joueurs qui vont faire le premier match test avant de pouvoir voir le match amical qui aura lieu à ce côté le week-end prochain. Le programme sera étalé sur plusieurs semaines avant les 11, 12, 13 pour le début de cette compétition. Selon les informations que nous avons de gauche à droite, joueront contre les Buffles ou Akara avant d'aller attaquer le champion, le FC Nouadhibou pour le dernier match qui va se jouer à Lomé avant de voir ce Mauritanien-là. Il faut maximiser le nombre de matchs ici à Lomé avant de pouvoir s'envoler sur Mouachot où ils feront la différence. Ces conducteurs, il faut compter sur eux. Ils sont capables de tout. Ils feront de leur mieux pour peut-être donner ce qu'ils pourront quand même essayer d'apporter un plus. Je les connais. Ils s'apprêtent pour ça. Mais déjà, cette matinée de triste nouvelle, un supporter de l'ASCO de Kara dans un accident de la circulation a perdu la vie. Il a été conduit sous terre cette matinée. Autre décès, la disparition de la maman de M. Gazaro, qui est un maman actif de l'ASK de Kara, la vieille au-delà de 80 ans octogénaire. Et vous savez, un pays galère, quand on dépasse 80 ans, on part. Je crois que c'est la fête. C'est là où nous sommes pour aussi pleurer comme notre ami M. Gazaro, de l'air, on va faire plus vite maintenant. On va faire plus vite. Nous, tu disais, Maurice est arrivé à Unisport. Ben, oui, finalement, c'est son 9e club. Le président, hier soir, c'est officiel. Il va poser ses valises la semaine prochaine. Selon le président, c'est le 25. Hein. C'est le 25 qu'il va arriver à Sokoré. Et quand il va arriver, ils ont fait. C'est un contrat de 2 ans. Pas un contrat de 2 saisons, selon le président. Et ça permettra de pouvoir refaire cette équipe d'Unisport Football Club de ce côté. Nous, tu dis Maurice, qui vient pour la 3e fois de la Ligue du Centre de Football. Il avait une fois posé ses valises de ce côté. Et là, il est parti avant l'heure. Et ensuite, il est venu conduire Koro qui mettait de Tiamat pour les champions. Et maintenant, il revient pour l'Unisport Football Club. Le souhait pour les supporters d'Unisport, c'est de faire comme ce qu'il a fait à Tiamba, Franck Mouniama. Et vous avez remarqué aussi la joie des supporters de Bikinti après la décision de la commission de discipline, c'est ça? Oui, je crois que après la décision de la commission de discipline, la joie était immense. À Bina Paliba, à Dikotiba, à Wadande, à Kotia Dumpu et à Padia Dumpu. Mais maintenant, il semble que Bikinti va jouer la saison prochaine en première, non, en deuxième division. Et pour eux, c'est un pari gagné, même s'il y a encore 2 ou 3 sanctions sur l'entraîneur et sur le vice-président. Pour eux, le pari est gagné. Le reste, ils vont gérer étape par étape, Franck Mouniama. Ouais, très bien. Gueulard Inoussa, merci de nous avoir apporté ces nouvelles. À très bientôt.
Au revoir. Maintenant, nous sommes avec le football féminin. Franck Mouniama, à plus tard. À très, très bientôt, Guler Inoussa. Voilà, il parlait de cette affaire entre Asfosa et Bikinti. Et finalement, c'est les Lions du Mont-Barba Bassar qui ont eu le déçu, puisque selon la décision, il reste, on va dire, en deuxième division. Et justement, par rapport à cette affaire, un club se sent lésé. C'est les Panthères de Morétan. Eh bien, on va écouter son directeur de la communication, Emmanuel Odjo. Si tu as l'opinion, pas pour substituer la commission, mais que l'opinion sache que cette affaire, Bikinti et Asfosa, il n'y a pas que Bikinti et Asfosa, il y a aussi Koto FC de Morétan. Donc nous pensons que la fédération doit regarder de près et pour voir, vu que les uns et les autres font d'efforts. Aujourd'hui, le football ne peut pas être entaché par les actes de corruption où tous les acteurs se battent pour le mieux-être du football togolais. Et on revient sur le fait que le corrupteur et le corrompu également sont punis par les mêmes tests. Ou si on regarde encore que le premier qui a posé l'acte, voilà, c'est un acte délicat. Le second également qui a eu vent et qui s'est tué a fait preuve également de passivité. Et si en temps normal, tous ces aspects-là sont considérés, ça veut dire que dans l'ensemble, chacun a joué une partition dans le résultat de cette rencontre-là. Et donc, nous pensons que la fédération doit tenir compte de tous ces aspects. Si la fédération et la commission sanctionnent les deux équipes, ça veut dire que c'est Koto qui passe. Voilà. Vous savez qu'en première division, il y a eu de petits problèmes entre Maranatha et Ange également pour le maintien. Voilà. Pour le moment, c'est les messagers de Firpo qui tiennent, on va dire, les choses. Et ils sont en première division, mais Ange n'entend pas rester là. On verra bien ce que ça va donner dans les jours, semaines à venir. Et voilà un peu Koto également frustré, lésé par cette situation. Le club estime que oui, par rapport à tout ce qui s'est passé, les deux clubs doivent être sanctionnés, tout simplement. Voilà, on parlait justement des deux clubs, des deux représentants togolais au niveau du continent. On sait que Asco est champion en titre, Asco qui a fait le doublé. Et derrière Asco, c'est, disons, ASK. Les deux clubs sont de la COSA. Et pour Asco, c'est LRPC Oilers, c'est un club du Liberia créé il y a 51 ans. Donc, ils n'ont pas beaucoup de références. C'est vrai qu'ils ont leur stade. Ils ont été 7 fois champions du Liberia, 5 fois vainqueurs de la Coupe nationale, quart de finaliste en 1989. Ça date déjà, ça fait 31 ans. Oui, Asco, qui la saison dernière avait représenté le Togo sur l'échiquier continental, mais n'a pas bien évolué, rapidement sorti par un club ivoirien. Cette fois-ci, on sent qu'il y a du nouveau, on sent cette volonté de pouvoir propulser le club sur l'échiquier continental dans les meilleures conditions. On est en train de, quand on voit par exemple aujourd'hui le matériel roulant d'Asco, c'est bien propre, on fait venir des joueurs, cette fois-ci, face à cette équipe libérienne. Est-ce qu'on peut penser déjà, on peut rêver que les Kondona puissent passer ce premier tour? Oui, c'est possible. Surtout que les Oilers ne sont pas des foudres de guerre, loin s'en faut. Même si cette équipe, je me rappelle très bien, est une équipe très présente dans les compétitions africaines. Elle ne brille pas de mille feux. Asco peut le faire. Maintenant, il faut s'organiser comme cela se doit. Il faut bien se préparer. Et surtout, jouer sur les deux tableaux, ne pas se dire qu'il faut seulement faire de bons résultats à domicile. D'ailleurs, ça ne compte plus au niveau du football maintenant. Ouais. Donc, il faut bien, bien préparer cette partie. Parce que ça fait longtemps que les équipes togolaises ne vont plus loin dans les compétitions interclubs sur le plan continental. Asco, avec ce vent de renouveau que connaît cette formation, avec les nouveaux dirigeants et les moyens qui sont mis, il me semble que cela peut constituer un coup de booster pour le moral et l'énergie des joueurs afin qu'au bout du rouleau, ils puissent aller chercher des résultats. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite d'ailleurs. Très bien. Ico Rodrigue, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Tout va bien? Bien. Oui. Ce tirage par rapport à Asco, qui normalement devrait pouvoir passer, mais attention, à cette équipe du Liberia, les Oilers, ils ne sont pas, on va dire, un grand sur le continent, mais attention, il ne faut pas les minimiser.
Asco non plus n'est pas un grand sur le continent. Bien sûr. Donc, voilà pourquoi, quand on parle des Libériens qui ne sont pas un grand du continent, on peut dire que le tirage a été, on va dire, abordable pour cette équipe d'Asco. 50-50 ? 50-50, c'est vrai, 50-50, parce que, Hans l'a dit tout à l'heure, depuis très longtemps, aucun club togolais n'est allé, hein, à part l'Est Gopo qui est allé dans, il y a trois saisons déjà dans la zone de poule. Asco, c'est vrai que d'abord, pour, dans ce championnat, Asco, ça fait deux saisons que Asco essaie, hein, de se reconstruire. Donc, moi, j'estime que c'est toujours dans la reconstruction que cette équipe d'Asco est et que Asco a besoin encore de ces genres de compétition pour pouvoir se hisser un peu haut et pour pouvoir encore gagner en confiance dans une compétition africaine. Donc, on va dire que c'est une bonne chose d'abord pour ce tirage. On a évité les grosses écuries, en l'instant des Nigériens peut-être ou bien des Africains du Nord. Maintenant, il faut une bonne organisation autour de la chose. Je crois qu'ils ont déjà commencé. Il faut des stages, il faut des matchs amicaux pour pouvoir mettre les joueurs dans de bonnes conditions pour aborder cette compétition. Ils doivent être en stage à Togoville, selon les dernières informations. D'autres disent que c'est au Ghana. Mais de toutes les façons, ce qu'on s'apprête pour affronter le LRPC Oilers Wadia Lantam, il se dit souvent que oui, pour avoir de l'expérience dans ces genres de compétitions, il faut être régulier. Asco a enchaîné ou bien enchaîne une deuxième participation d'affilée. Est-ce que ça peut servir au niveau expérience? Oui, je pense que ça peut toujours servir. D'autant plus qu'aujourd'hui, comme tout le monde l'a constaté, il y a eu beaucoup de renouveau autour de d'Asco de Kara. Et pas si loin, ils ont fait venir à Balo de Sey, qui n'est pas quelqu'un des moindres, qui peut aussi apporter beaucoup à cette formation. Bien sûr. Et franchement, tout reste sur l'organisation. Dans ce genre de compétition aussi, il faut essayer de sortir du pays pour se titiller un peu avec les autres formations et voir où est-ce qu'on n'est pas prêt. Mais je pense qu'aujourd'hui, Asco est sur une ascendance qu'on ne peut qu'encourager. Votre ex-coéquipier, c'est lui qui tient cette équipe, Ametoko Domensan. On peut dire qu'il fait de bonnes choses. Hein. Ben écoutez, Ametakoro a été un grand joueur, quelqu'un qui a porté le Togo aussi sur les bras. Et aujourd'hui, on s'est tous reconvertis dans l'entraîneurat. Et franchement, il fait du très bon boulot. Il faut le reconnaître, même si des fois, on commet toujours des erreurs dans un métier. Donc, je pense qu'il est sur une bonne base et je ne peux que le souhaiter le meilleur. Très bien, on se souvient de ce match de la CAN 2000 où, face à Côte d'Ivoire où il y avait un but partout. C'est vous d'ailleurs qui marquez le but, si je ne me trompe pas. C'est ça, non? Oui, c'était moi. On se souvient comme si c'était hier. Voilà. On s'est souvenu également du Mapuka qu'ils ont lancé. Après le but. Oui. L'autre club, c'est l'ASK, les chauffeurs de la COSA également, qui ne font pas les choses à moitié. On met les moyens, on fait venir des joueurs d'un peu partout. La SK qui va jouer contre le club mauritanien, la Concorde. Là aussi, ce n'est pas un foudre de guerre. C'est un club moyen, on peut le dire. Mais ça peut passer si on s'organise très bien. C'est ça, non? Exactement, Franck. Ça peut passer si on s'organise très bien. Quand je regarde un peu le comportement de cette formation de la SK la saison dernière, je peux dire qu'il y a quand même de l'espoir pour cette équipe parce que elle a tout simplement été exceptionnelle dans ses prestations. C'est une équipe qui est toujours lancée vers l'avant avec le jeu court, cette alternance-là avec le jeu long également, avec des individualités très intéressantes. Mani Ougédia sur la récupération, dans la sortie de balle, dans les remontées de balle, la triplette de devant. Qui véritablement avait été flegmatique, impitoyable face à leurs adversaires. Aujourd'hui, cette équipe, il faut le dire, sera déplumée, est délestée
de ces joyaux-là, notamment Nan Richard et Ismaël Ouagoro qui a signé à Saint-Georges. Nan Richard parti du côté de Afia. Afia Conakry. Saint-Georges, l'Éthiopie qui accueille Ismaël Ouagoro. Bien évidemment. Donc, ça peut jouer ? Ça peut jouer forcément parce que quand vous regardez un peu les prestations de haute volée de ces deux joueurs lors de la saison dernière, je rappelle que Nan Richard a terminé meilleur buteur avec 14 réalisations et Ismaël Ouagoro, deuxième buteur avec 13 réalisations. À eux tous deux, ils ont marqué 27 buts de cette équipe. C'est dit forcément qu'aujourd'hui, c'est un manque à gagner criable pour cette formation de la SEK. Mais je compte bien sur l'expertise de Jonas Kokou-Gomblan pour reconstituer un peu une équipe sur le plan offensif qui sera toujours toujours performante pour pouvoir véritablement passer l'étape de cette formation mauritanienne qui n'est pas une petite équipe, même si c'est une équipe sans fanfaron, qui n'a pas assez de vécu sur le continent. Je rappelle quand même qu'ils ont une gestion managériale assez intéressante avec un directeur sportif qui est un Sénégalais, qui colmate un peu, qui déniche un peu les talents dans la sous-région, notamment au Sénégal. Il y a un jeune attaquant, Salif Sané, qui sera très intéressant à suivre. Un joueur qui multiplie inlassablement les appels dans le dos de la défense. Donc je pense que la SEK doit pouvoir bien se préparer, tenir compte de plusieurs paramètres. Je sais que Jonas Kokou-Gomblan est féru de la vidéo. Il saura visiblement analyser un peu cette équipe pour pouvoir bien les affronter. C'est un club créé en 1979, juste 4 matchs sur l'échiquier continental, précisément en Coupe CAF. 1-0, 3 défaites pour vous permettre un peu de voir un peu les statistiques de ce club. On va y revenir, on va ouvrir des parenthèses et les fermer juste après. On va recevoir Dokoku Dominion, un Togolais qui joue du côté de l'Union sportive de la Gendarmerie nationale du Niger. Ils sont champions. C'est un joueur formé au niveau de l'ACFoot, Académie Clermont Foot. Dokoku Dominion, bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Bonjour à tous ceux qui vous accompagnent dans le studio. Très bien, tout va bien? Oui, tout va bien, chez vous. Ben, on rend grâce. Alors, tu as pratiquement quitté l'USGN et finalement, tu y retournes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je n'ai pas vu sur les réseaux sociaux, effectivement, j'ai prolongé l'aventure d'une saison avec eux. Même s'il y avait d'autres propositions, je peux vous assurer que c'est une décision mûrement réfléchie. Tu as failli signer à ASCO ou à la SEK, finalement. Le cœur est toujours du côté du club nigérien, c'est ça? D'autres propositions sont venues? on peut dire que c'est le cas. De toutes les propositions que j'ai eues, je peux dire que la prolongation avec l'USG était la plus crédible. Donc, je n'ai pas hésité. J'ai encore fait un bail de une saison. Alors, il y a beaucoup de biens qui se disent autour de vous. Là-bas au Niger, vous êtes, ou bien tu es milieu de terrain. Tu vas jouer la Ligue des Champions avec ce club-là. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Je peux dire que nous sommes déjà à 3 semaines de préparation. On devait jouer un tournoi à Cotonou pour bien faire les rodages. Mais finalement, ce tournoi ne tient plus parce que nous sommes pratiquement à 3 semaines du match aller qui se joue le 11 ici à Niamey. On est tombé aussi sur un camp burundais. Donc, je peux dire que les dirigeants ont finalement décidé de laisser ce tournoi-là pour qu'on se concentre sur les 3 semaines qui restent avant le premier match ici à Niamey. Quelle est l'ambiance qui règne dans le groupe au moment d'affronter cette compétition continentale? Il y a la confiance? Il y a une bonne ambiance. L'ambiance est bonne parce que tout le monde sait ce qu'on veut, ce qu'on prépare, même s'il y a de nouvelles têtes. Et des anciennes têtes aussi, certains des anciens joueurs ne sont plus avec nous. On a fait un recrutement avec je crois que l'intégration, tout se passe. Il y a beaucoup de,
on va dire, beaucoup de le club compte beaucoup sur toi. Et tu es parti quelques jours. Allô? Tu as re... Oui, allô? Ça va maintenant, ça va un peu? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon maintenant. Très bien, tu es parti, tu es revenu. On sait que le club compte beaucoup sur toi. Alors, ce retour, ça s'est passé comment? Tu as été bien accueilli, voilà, comment ça s'est passé? Ouais, ça s'est bien passé. Mon retour s'est bien passé parce que c'est le président lui-même qui s'est donné corps et âme pour que je ne quitte pas le club. Et c'est lui-même qui m'a dit de... C'est lui-même qui m'avait dit de rentrer, de revenir, signer exprès. Parce que lorsque je lui avais expliqué que c'était comme ça, j'avais des propositions et que je devais rentrer, réfléchir, m'a donné le temps. Donc, c'est lui-même qui s'est donné corps et âme pour que je revienne. J'ai été bien accueilli. Très bien. Quel est ton objectif personnel, par exemple, d'Okoku Dominion? C'est simple, parce que il faudrait faire plus que ce que j'avais fait l'année passée. Parce que si tu joues, il faut progresser, il faut être constant. Et puis, il y a la Ligue des Champions aussi. Pourquoi pas faire une bonne performance là-bas pour encore plus me faire voir aux yeux du monde. Très bien. Bon courage à toi, d'Okoku Dominion, et surtout bonne chance, hein. Merci beaucoup, monsieur Franck. Oui, c'était là le milieu de terrain de l'Union sportive de la Gendarmerie nationale du Niger, équipe championne là-bas, pour un joueur qui aime jouer comme Isco. Et puis Floyd Haïté, voilà, c'est ce qu'il a dit. Allez, à très très bientôt. On revient, on parlait. À très bientôt. On parlait de l'ASK qui également se donne les moyens. Avec son président d'honneur, El Hadj Sharif Ama Akleso. Et voilà, normalement, beaucoup d'observateurs du foot togolais disent que ça devrait passer face à cette équipe de la Concorde de la Mauritanie, même si on sait que depuis, la Mauritanie est en train de développer son football. On parle par exemple de Nouadhibou FC qui font de très belles performances. Concorde, oui. Mais disons que c'est une formation qui n'est pas très connue sur l'échiquier continental. Mais il faut avoir à l'esprit que depuis une décennie maintenant, la Mauritanie est en train de faire une mue de son football avec une restructuration. Vous avez vu même la sélection, les Morabitoun qui ont eu à faire de bons résultats sur le plan continental et se qualifier pour la phase finale de la CAN. Et cela, forcément, déteint sur la qualité du championnat parce que la Mauritanie met quand même suffisamment d'argent dans son championnat et les équipes sont pratiquement semi-professionnelles. Donc du coup, il ne faut pas sous-estimer cette formation. Il faut que la SCK joue avec ses armes. La SCK, qui a déjà eu certaines expériences sur le plan continental, pour avoir déjà pris part la dernière fois à la compétition. Moi, j'ai trouvé que cette équipe-là jouait très bien au football. Ce qui manquait peut-être, c'est l'expérience du haut niveau. Donc, ils ont déjà fait l'essai. Et avec la science de notre ami Jonas Comblan, je crois que l'équipe de la SCK a les armes pour pouvoir surmonter la formation mauritanienne. Mais encore faudrait-il se donner tous les moyens et les chances pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette possibilité. Wadia Lantam, comment prépare-t-on une telle échéance? Ben, écoutez, l'objectif était de se qualifier d'abord pour une compétition continentale et après la qualification, il faut mettre les moyens. Il faut mettre les moyens, pas seulement financiers. Il faut les moyens financiers, humains. Avoir les bons joueurs à disposition. Et cette compétition ne se joue pas avec des joueurs de moins niveau. Il faut avoir des joueurs qui peuvent te faire l'affaire sur l'étiquette. Des joueurs de niveau continental. Continental, voilà. Parce il faut aller chercher, On peut pas... Il est vrai, on met les moyens. On met les moyens pour quel joueur? C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est un autre niveau, en fait. Voilà. Ça va être important, les joueurs qu'on choisit. Pour corroborer, Franck, si vous le permettez, les propos de Wadia Lantam, bien évidemment, il a raison. Parce que quand vous regardez un peu, quand vous observez la dernière performance de l'ASK en Coupe continentale, éliminée par l'AS Vita Club lors du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions il y a cela 2 ans, qu'est-ce qui a fait la différence en fait? Les deux équipes étaient pratiquement, se rendaient coup pour coup.
Et à Kinshasa, c'est l'expérience qui a joué en faveur de cette équipe dirigée par Florent Ibengué, puisque au sein de cette équipe congolaise, il y avait quand même des joueurs qui ont le vécu sur le continent, notamment Ahmed Touré, l'ancien joueur de Mimosa d'Abidjan, qui avait fait la différence. Alors que côté togolais, il n'y avait que les joueurs du cru local qui n'avaient pas assez de vécu. Donc, ce qui voudrait dire implicitement qu'aujourd'hui, il va falloir véritablement, au niveau de la cellule de recrutement de l'ASK, mettre l'accent sur des joueurs à fort potentiel qui ont vécu, qui ont de l'expérience, qui ont une certaine régularité à ce niveau. Donc, ne pas seulement se contenter des jeunes joueurs du cru local, mais aller dénicher ces talents rares là, qui vont venir véritablement apporter cette plus-value, cette valeur ajoutée au jeu de cette formation de l'ASK. L'ASV Club qui va d'ailleurs, ou bien qui a d'ailleurs accueilli un Togolais, Tchaki Marouf, qui est du côté désormais du club congolais. Mais ça fait, on va dire, de la publicité pour le championnat togolais, on peut le dire. Voilà, félicitations, ils sont nombreux à quitter. Hein. On annonce Issifou Bouarana voilà. Du côté de FC Loupopo. On en a parlé il y a quelques secondes. Ismaël Agoro qui est Saint-Georges en Éthiopie. Et puis Nan Richard qui s'est bien illustré au niveau du CHAN, qui joue du côté d'un grand club africain, même si aujourd'hui le Afia a disparu un peu. Ça reste un club légendaire sur le continent qui va là-bas. C'est... Oui, Franck, oui. Tout à l'heure, Wadia essayait de dire de la façon dont on prépare de telles compétitions. C'est très important. Il a dit également que ce n'est pas seulement les moyens financiers, il faut également les moyens humains. Et quand on parle des moyens humains, ce n'est pas forcément les joueurs. C'est les joueurs, hein, mais pas forcément seulement les joueurs. Il faut également un travail autour. D'abord, le staff technique doit être bien étoffé. Et puis, un management autour de l'équipe. Ça nous manque énormément. Nous, ici, selon ce que moi j'ai vécu, on pense seulement aux joueurs et seulement à l'entraîneur. Non, autour de tout cela, il faut également des hommes pour. Le kiné. Par exemple, le management. Tout à l'heure, le joueur du Niger parlait des tournois à jouer avant d'aborder les compétitions. Ici, on n'a pas tendance à voir de ces choses. Je me rappelle, Hans peut être témoin, et dans les années 90-94, ces tournois-là aidaient beaucoup les Wadia, les clubs comme Étoile Filante à Gaza. Vous souhaitez, peut-être vous allez à Cotonou pour un tournoi, vous allez à Kumasi au Ghana pour un tournoi, vous allez peut-être à Ouaga pour un tournoi avant d'aborder les compétitions-là. On se rappelle de l'épopée d'Agaza dans les années 94. Je crois que ça aide énormément. Donc aujourd'hui, il faut que nos équipes soient entourées des gens qui peuvent engager ou bien avoir ces tournois-là pour les clubs-là, au-delà des joueurs. Tout à l'heure, c'est vrai que nous pouvons dire que nos joueurs vont aller découvrir d'autres championnats. Mais également, c'est très important de garder également ces meilleurs dans notre championnat pour pouvoir hisser les autres. À défaut de faire venir d'autres grands joueurs, d'autres championnats, si nous arrivons également, c'est également une question de moyens, maintenir nos meilleurs dans nos championnats. Mais quand nous nous dépouillons de nos meilleurs, je crois que le championnat également va rester dépouillé. Et nous n'aurons pas à avoir des grands joueurs qui vont aborder des grandes compétitions. Vous avez parlé des performances d'Agaza dans le temps face à DCMP, Darin Club Motema Pembe. Sous le contrôle de Rasmus. Oui, mais ces performances manquent aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce sont de beaux souvenirs pour la petite histoire. Moi, c'était ma toute première mission en tant que journaliste sportif. J'étais encore très jeune à l'époque. J'étais étudiant, mais en même temps à la radio. Et c'était un grand match. Vous savez, à l'époque, ça s'appelait le stade Camagnola, qui est devenu le stade des martyrs. 100 000 personnes au stade. Je me rappelle très bien qu'après le match, Saluta du Personnel me confiait que quand tu appelles ton coéquipier, il n'entend pas. Et c'était ça bouillonne. Oui, c'était un très grand match. Je ne voulais pas revenir un peu sur l'arbitrage. Je me rappelle très bien le nom de l'arbitre. C'était Mamadou Ba Engagé, un Guinéen à l'époque. C'était un arbitrage catastrophique, mais c'était un grand match. Grand match. Vous savez, à l'époque, qui ne faisait plus de 10 millions d'habitants à l'époque. Il y avait du monde pour nous qui venons voyager d'un petit pays. Ce n'était pas évident, mais les joueurs s'étaient très bien battus. Et à Gaza, rappelez-vous, à l'époque, à Gaza, il était une grande équipe avec Fedou Biakon,
Alpha Boutaba. Oui, Alpha Boutaba, oui. C'était une grande équipe. C'était vraiment une très grande équipe. À Gaza, a raté d'un doigt, d'un fil, de remporter le trophée à l'époque. Il faudrait qu'on puisse revenir à ces moments et qui vont sublimer maintenant notre football. Mais cela passe également par une meilleure organisation. Ico l'évoquait. Et ce n'est pas seulement l'argent, mais il faut mettre les gens qu'il faut, la place qu'il faut, parce que c'est de la science. Et les gens sont formés pour ça. Et il faut créer cet environnement la propice, n'est-ce pas, à des résultats. On peut avoir de l'argent et ne pas être bien organisé. Tout à fait. Tout est dans l'organisation. Avoir les joueurs de qualité qu'il faut, avoir le staff technique qui puisse tenir la route. Et tout à l'heure, la machine, parce que c'est une machine en réalité, c'est un peu comme les danseurs d'opéra. Et ouais, les gestes sont articulés de sorte qu'on ait un ensemble cohérent. C'est comme un ballet, c'est comme un orchestre. Il faut faire en sorte qu'il y ait l'équilibre et que toutes les partitions soient harmonieuses, sinon on ne peut pas avoir une bonne musique. Malheureusement, c'est ça qui manque. Il faut avoir de l'ambition. Et l'ambition demande d'être rigoureux, d'avoir de la planification. Pour faire simple, être professionnel. Professionnel. Et voilà, on va marquer la pause pour parler après des éperviers avec l'officialisation du contrat de Paolo Rebelo Duarte. Et il faut mouiller le maillot, c'est ce qu'on fait. On le fera jusqu'à midi, temps universel. Merci aux invités qui sont en studio, Wadia Lantam, entraîneur de l'AS Bina, ancien capitaine des Éperviers, Hans Masro, ancien journaliste de la BBC, de Radio Lomé, ancien président de la GST, Ico Rodrigue et puis Henri Akodo. C'est fait maintenant, le Togo a un nouveau sélectionneur. Il s'agit de l'ancien sélectionneur des étalons du Burkina Faso, Paolo Rebelo Duarte, qui succède ainsi à Claude Leroy. Ben, le football togolais a touché le fond, selon certains observateurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre de Paolo Duarte, Hans ? Ben, disons d'abord qu'il ne faut pas avoir à l'esprit qu'il vient avec une baguette magique. Non, il faut être patient. Il faut se dire qu'on est dans la reconstruction, parce que durant 5 ans, ce football, quand même, a connu des moments difficiles. C'est un patient lourd qu'il faut traiter. Il faut une thérapie de choc. Et je crois qu'il faut que l'opinion comprenne cela. Il ne faut pas attendre de Duarte qu'il vienne réparer ce qui a été, disons, problématique pendant plus de 5 ans. Donc, il faut prendre le temps qu'il faut, poser les bases et s'assurer que les différents acteurs et une démarche inclusive. Parce que le grand problème aussi de ce football, au-delà de l'aspect purement technique, c'est les crises autour de ce football. Parce que la crise est chronophage, fait consommer du temps, et fait consommer de l'énergie, et cela déteint forcément sur la performance. Moi, je suis choqué, même si je suis à l'extérieur, lorsque je suis choqué de voir qu'il y a un désamour entre le public et son équipe nationale. Parce que dans le temps, je veux vous dire, lorsqu'on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, en 2006... Ce n'était pas que le Togo était forcément supérieur à certaines sélections. Mais cette énergie, je dirais même, cette relation fusionnelle entre la sélection et son public, cela a fait que l'SBB était capable de se transcender, d'aller chercher, n'est-ce pas, la niaque pour apporter des victoires. Rappelez-vous, on avait fait des matchs contre le Sénégal, etc., qui étaient supérieurs. Aujourd'hui, c'est en lambeau. Il faut reconstruire, il faut ce capital confiance pour que les gens puissent revenir au stade. Ça va venir de la façon dont ce football est géré. Ça va venir, disons, de la façon dont le staff technique travaille. Croisons les doigts que les résultats suivent. Ça va faciliter, n'est-ce pas, ce retour du public au stade, cet amour entre le public et sa sélection. Et il faut impliquer tous les acteurs pertinents pour cette reconstruction. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut faire preuve de patience. Ne pas s'attendre à ce que Paolo Duarte vienne et que le Togo se qualifie pour la Coupe du Monde. Justement, à propos de certaines déclarations, il faut distinguer, faire le distinguo entre les déclarations du politique et du technicien. Parce que certains ont dit qu'il faut se qualifier pour la Coupe du Monde. Ok, est-ce qu'avec l'effectif que nous avons aujourd'hui, de façon objective, est-ce qu'on peut se qualifier pour la Coupe du Monde ? Même si c'est le cas, est-ce qu'on fera des performances ? Parce qu'il faut reconnaître qu'on n'a plus le même effectif comme au temps des Wadia Lantam. Beaucoup d'or coulent sous le pont. Il faut prendre le temps de reconstruire. Et là, on peut avoir des ambitions objectives. Il ne faut pas rêver les yeux fermés. Il faut être lucide.
Donc, je reviens encore sur ce mantra, patience, il faut prendre du temps pour construire quelque chose de solide. Wadial Antam, vous connaissez très bien la maison, Épervier, Cannes 98, Cannes 2000, Cannes 2002, Cannes 2006, c'est ça? Non. Trois Coupes d'Afrique, mais ouais. c'est quand même énorme. C'est énorme, vous connaissez très bien la maison aujourd'hui. Lorsque vous regardez un peu la sélection togolaise, ça vous dit quoi? Et aujourd'hui, l'arrivée de Paolo Duarte, qu'est-ce que ça peut changer selon vous? Mais comme vient de le dire Hans, il faut de la patience. On en a eu dans le passé avec l'ex-entraîneur. On a vraiment cru en lui parce que c'est quelqu'un qui a fait son temps sur le continent. Mais ces trois années, on a vu que l'équipe qui voulait reconstruire, ça ne prenait pas. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Bon. On peut dire aujourd'hui qu'on n'a pas, ces joueurs qui mouent le maillot pour la nation. Ils mouent pas le maillot. Et franchement, c'est quand on les voit jouer et ce désamour entre l'équipe nationale et le public fait que même s'ils veulent se transcender, ça ne donne pas. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on ait un peu de la patience pour voir ce que le nouvel entraîneur va imposer comme politique. Et essayons aussi de l'aider dans sa tâche. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui lorsqu'on regarde un peu votre époque et ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez cet amour pour le maillot, c'est ce que n'ont pas aujourd'hui les jeunes joueurs, c'est ce que vous voulez dire? Franchement, c'est ce que je veux dire, parce que dans le temps, nous, on arrivait même avec nos propres moyens. On venait jouer pour l'équipe nationale, pour notre pays, d'abord, avant de penser aux autres paramètres. C'était quelque chose de... C'était une union entre nous et le peuple togolais. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le football est devenu un business où tout le monde met ses pions partout et chacun veut recevoir quelque chose de retour tout de suite. Et ça fait qu'on n'arrive pas à construire une bonne équipe nationale. On va d'ailleurs écouter le nouveau sélectionneur des Éperviers, Paolo Duarte. La mission, c'est de faire tout le possible et l'impossible pour améliorer la qualité du jeu et la performance de l'équipe nationale de Togo. Comme vous savez, le Togo a deux phases consécutives, la finale de la CAN qui ne participe pas. Ça veut dire qu'on a raté les deux dernières CAN. Et quand on rate les deux dernières CAN, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que quelque chose ne marche pas bien. Donc, c'est une génération fantastique qui est cassée un peu à moitié. Le Togo a perdu cette force, il faut le dire, il faut être honnête. Mais là aussi, notre force qui est là. Notre force qui n'est pas une force déjà de 25 ans, 27 ans, qui est donc top de la carrière, qui n'est pas une force jeune, mais qui sont joueurs encore qui peut jouer 1, 2, 3 ans pour le pays avec une bonne qualité. Donc l'objectif, la mission, c'est de revenir, c'est de donner encore au Togo la place qu'il mérite. Et pour donner la place qu'il mérite, il faut faire une équipe. Faire une équipe avec la patience, mais en même temps avec la plus vitesse possible. Parce qu'on parle d'une rénovation et pour renouveler, on doit renouveler avec résultat. C'est pas seulement renouveler, mais pour avoir des résultats, tout besoin de temps. Voilà, Paolo Rebelo Duarte, Henri Akodo, oui, ça peut donner quelque chose. En tout cas, tout le public sportif togolais est empli d'espérance aujourd'hui après les vents contraires. Les soubresauts, les turbulences qu'a connu notre sélection, on veut véritablement renouer avec ce passé glorieux-là, ce passé glorieux qui avait vu, justement, comme venait de dire les uns et les autres, le Togo participer à la première phase finale de Coupe du Monde de son histoire en 2006. Je rappelle que c'était dans un contexte assez particulier, puisqu'on avait déjà subi l'échec cuisant de la non-qualification pour la CAN 2004 avec Antonio Dumas. Et derrière, il y avait une crise qui s'est installée, mais Stéphane Kéchi est venu et il y a eu cet électrochoc là et puis il a véritablement permis au Togo de pouvoir retrouver, de pouvoir se qualifier historiquement pour la Coupe du Monde. C'est dire qu'aujourd'hui, Paolo et Jorge Rebelo Duarte peuvent s'appuyer
également sur cet aspect-là pour pouvoir véritablement créer une nouvelle émulation au sein de cette équipe. Au-delà du sélectionneur, Franck, vous posiez tantôt la question à Wadia Lantam qui a dit quelque chose de très important. Au-delà de la qualité du sélectionneur, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre nos joueurs face à leurs responsabilités. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous portez la tunique nationale, il y a une sorte de pression sur vous. Et donc, vous devez tout faire pour être dans de très bonnes conditions, pour ne pas être tétanisé, inhibé par cette pression-là. Ça voudrait dire qu'au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la détermination, vous devez être irréprochable. Et Paulo Duarte a dit quelque chose de très intéressant également dans son... dans sa sortie face à la presse, il a dit qu'il a analysé 359 matchs de la sélection et qu'il a constaté sur le plan technique qu'il y avait un manque d'agressivité criard au sein de cette équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intensité. Ça voudrait dire implicitement qu'au niveau de l'état d'esprit des joueurs, les joueurs ne se donnent pas à bras le corps. Ils sont trop tendres. C'est trop mou, c'est assez stéréotype, c'est statique. Il n'y a pas de mouvement dans le jeu, il n'y a pas d'appel. Ça dénote du fait qu'il n'y a pas cette volonté affichée, affirmée de la part de ces joueurs-là. Quand, par exemple, je fais un petit focus sur les deux buts que nous avons encaissés, les trois buts que nous avons encaissés face à l'Égypte, passivité de la défense, alors qu'on a un grand joueur en défense, Dinda Kuna, le capitaine. C'est dire qu'il y avait problème. Donc aujourd'hui, au-delà de Paulo Duarte même, je pense que pour créer l'électrochoc, l'émulation, il faut que les joueurs véritablement puissent se sentir investis à nouveau de cette mission patriotique-là qui leur permettra de pouvoir bien mouiller le maillot rapidement. Il n'y aura pas de temps de préparation assez optimal avant la rencontre face au Sénégal. Sénégal, c'est juste dans quelques jours. Au stade là de Thiès. Mm. C'est-à-dire qu'il va découvrir, on ne part pas avec des certitudes. Ça serait compliqué au niveau de Dakar. Mais je pense que si psychologiquement les joueurs sont dopés, on pourra véritablement créer la sensation retentissante face à cette formation sénégalaise. Ico Rodrigue, il a été clair. Pas de bâton magique. Patience. Et pour permettre au Togo de retrouver la place qu'il mérite. Quand vous faites le tour du monde, aucun entraîneur n'a de bâton magique. Aucun. Je ne sais pas si Hans en trouve ou bien. Sauf Wadia Lantam. Si Wadia en trouverait. Ah ouais. Il n'y en a pas. Ouais. Keshi avait peut-être le bâton Henri magique. Akodo en a 2006. Dit quelque chose tout à l'heure. Mm. C'est intéressant. Il faudrait que les Togolais fassent un peu. Retrouve un peu l'histoire. C'est vrai, en 2002, le Togo était qualifié. Wadia était là, c'était à Bamako. Mmh. Hans était là. Mmh. En 2004, le Togo n'était pas qualifié. Et c'est là où je rejoins Hans qui a dit quelque chose de très important. Il faut qu'il y ait une symbiose, pas seulement au niveau des joueurs, mais au niveau des dirigeants. Quand vous avez la sérénité au niveau de l'équipe dirigeante, c'est-à-dire de la fédération, qui va jusqu'à la direction technique, aux entraîneurs, ça commence pas à prendre. C'était là ce que Rock avait amené, peu à peu, après l'élimination de 2004, c'est ce que Rock avait amené. Et encore une fois, quand Keshi est arrivé, c'est ce que je n'ai pas remarqué avec Paulo Duarte. Keshi a commencé par composer avec les locaux. Wadia est là pour témoigner. Et c'est avec les locaux qu'on a commencé. Contrairement à ce que Paulo Duarte a déjà commencé, on voit seul Jonas avec les locaux. Ça, c'est un. De deux, il faut mettre la pression, la concurrence entre les expatriés et les locaux. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Moi, je me rappelle, au temps des Guler, les expatriés venaient. L'autre fois, j'ai rencontré Logo Omer. Et je me disais que c'est les Alpha et les Devi Akon qui l'avaient renvoyé. Alors que ces gens-là étaient du cru local, était du championnat. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre la considération à notre championnat. Les Wadia étaient dans ce championnat, les Tadou étaient là, quand les Afouati revenaient de la Belgique, mais ne résistaient pas. Je me rappelais un milieu de terrain, Abdoulaye Lokmanou. Les Wadia les battaient du revers de la main, malgré qu'ils étaient du championnat local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut donner de la considération au championnat. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est vrai, Wadia l'a dit,
on va dire depuis les années 2000, il y a eu du football business et que même si le joueur n'est pas bon, même nous, la presse, on vante les mérites de ce joueur, des businesseurs, des managers vantent les mérites de ce joueur et ça met la pression sur les acteurs, que ce soit les entraîneurs, les dirigeants, alors que par le passé, c'était le mérite sur le terrain. Et le joueur, quand il entre sur le terrain, vous savez en même temps que alors, il sait également qu'il y a tout un public derrière lui. Nous, on suivait les Wadja puisqu'on était dans le même quartier. Ouais. Les jours fériés, les week-ends, on jouait ensemble. C'était nos fans. Nous, on était les supporters. Et on veut voir, demander combien vont vers lui avant les matchs. On veut te voir faire un grand match pour nous faire honneur. Aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est peut-être l'argent. Oui, il va aller prendre d'abord les primes de campement. Il va le prendre, on va partager. Il y a les primes de match qui ne viennent jamais. Donc, ce sont ces paramètres-là qui rentrent autour de l'équipe. Voilà pourquoi Paulo Duarte, il a été intelligent. Il a dit qu'il n'a pas de bâton magique. C'est normal. Maintenant, il faut que tous les acteurs s'investissent. Et c'est l'investissement de tous ces acteurs-là qui va faire profiter son travail. C'est dans ça. Le cas contraire, nous n'aurons jamais un entraîneur qui a un bâton magique. Très bien. Et lorsqu'on on parle foot et lorsqu'on retourne un peu dans le passé, cette performance revient toujours parce que c'est la référence même. Une qualification pour la Coupe du Monde, pour ce petit Togo, c'était historique. Et souvenez-vous de ce moment quand le bus des Éperviers a quitté l'aéroport pour le stade de Kégué. Mais je ne peux même pas compter. Franck, je me souviens ce jour-là, le jour de la qualification. Même avant mais ça. Le public m'a retiré le micro. On a coupé le courant. C'était compliqué, mais c'est en même temps, c'était beau. Voilà. Avant ça, je me rappelle de ce match-là, à Bamako. Wadja était là. Oui. Bon, c'était mon premier voyage à l'équipe nationale. 2-1. 2-1 à Bamako. Oui, bien sûr. Même le match allait ici. 1-0. Il y avait le joueur qui était au Real de Madrid, le capitaine. Mamadou Diarra qui était là. Koulibaly, qui était à Dortmund. Et qui a marqué derrière le coup franc là-bas. C'est Doublen. On se demandait quel joueur on avait pour contrer ces joueurs-là. Demandez à Wadja, il était là. Ouais. Quel joueur on avait pour contrer ces joueurs-là? Mamadou Diarra. Mais c'est doublé. C'est doublé. Le Koulibaly. Togo l'a fait. Mais le Togo l'avait fait. À Bamako. On les avait battus du coup à Bamako. Sur un super quel de... Avec quel joueur aujourd'hui, comme Wadja l'a dit, il y a beaucoup aujourd'hui, le football, peut-être qu'on peut dire que la sélection est maintenant à l'extérieur. Et quand ils reviennent, c'est comme si on ne sent plus cette volonté, cette détermination de défendre la nation. Et ça va revenir. Oui, ça permet quand même de parler encore de Stéphane Keshi. Hein. C'est un grand monsieur. Il y a des choses que beaucoup ne savent pas. Peut-être que c'est l'occasion de rendre aussi justice à un certain nombre de personnes. Je voulais d'abord mentionner Tino Adjeté, parce que des gens ont été maltraités plus tard. Mais Tino Adjeté a été un acteur fondamental dans ces résultats. Beaucoup ne savaient pas. Je vous dis, quand Keshi est arrivé, Keshi est très stratège. Il a demandé quels sont les journalistes les plus en vue. Donc il y a eu une rencontre où Keshi nous a dit que lui ne peut rien faire sans la presse. Et je salue Blaiseau, je salue Aimé Lebon. Et bon, donc il y avait un noyau. Et on a essayé d'accompagner l'équipe. Et puis Keshi était vraiment très à l'écoute. Mais il y a eu du travail de certaines personnes qui étaient dans l'ombre. J'ai parlé tout à l'heure de Tino Adjeté, qui était un grand monsieur, qui connaît le football. L'autre problème que nous avons aussi, c'est qu'il faut que ce soit des connaisseurs dans la gestion du foot. Il faut que ce soit des connaisseurs. Et Tino Adjeté en fait partie. Il y en a d'autres. Mais j'insiste sur son nom parce que je l'ai vu à l'œuvre. Mais le premier match qu'on a joué contre le Tipolo Polo, moi j'y étais, et c'était un match bien mené, mais on a été battu sur un but par accro, 1-0, et la machine a été déclenchée à ce niveau. Et ce qui est bien, c'est que Stéphane Keshi, par rapport à son vécu, peut dire la vérité à ceux qui étaient des stars dans l'équipe. Il ne faisait pas, disons, la part belle à certains joueurs qui étaient des têtes de turc au sein de l'équipe. Il leur disait la vérité, il peut te mettre sur le banc. Il l'avait fait et tout le monde est rentré dans le rang. Maintenant, il faut dire que les planètes sont également alignées. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait que des équipes comme le Mali, le Sénégal avaient de grands joueurs. Vous n'avez pas parlé du Sénégal qui avait une armada à l'époque. Armada de joueurs. On arrivait
à les battre parce qu'il y avait cette union sacrée. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Moi, je me rappelle, il y a des gens qui vous disent, nous, on a dû jeûner, on n'a pas mangé durant une semaine pour pouvoir avoir de l'argent pour acheter le ticket pour aller au stade. Les gens marchaient de Baguida pour venir au stade. Ça veut dire que les gens croyaient en leur équipe. Et il y avait cette fusion. Donc forcément, lorsqu'on est unis, on peut soulever des montagnes. Malheureusement, tout cela s'est délité, n'est-ce pas, à cause des crises à répétition au niveau de ce football. Et les gens ne veulent même plus entendre parler de ce sport parce qu'ils se disent, bon, on ne va plus rien tirer. Maintenant, ce n'est pas trop tard. Je crois qu'il faut rester optimiste. Lorsqu'on remet les moyens, lorsqu'on met les gens qu'il faut à la place qu'il faut, lorsque, n'est-ce pas, on essaie d'être inclusif dans la démarche, on peut retrouver un temps soit peu cette énergie. Et moi, je voudrais encore saluer le travail que la presse avait eu à faire. Saluer mon frère et ami Blaiseau, Aimé, Gerson Dovo, Jean-Marie Hélo, Franck Mouniama, à l'époque, sans oublier, bien entendu, Feu à Toulouse, etc. Tout cela a permis à l'équipe d'avoir une âme. Ce qui manque aujourd'hui, notre équipe n'a plus d'âme. Vous voyez, l'équipe de la Sainte Togo, vous êtes triste. Les joueurs tombent comme des mouches, ils ne vont pas au combat, ils n'ont pas la gnaque. Il faut retrouver ce feu sacré-là qui manque à l'équipe nationale du Togo. Et je pense que j'ai cité un certain nombre de pistes. Si tout le monde se mettait à l'œuvre, ça peut revenir. Et éviter les sabotages, éviter des crises à répétition qui ont sapé le socle de ce football. Très bien. Le premier rendez-vous pour Paulo Rebelo Duarte et son staff, c'est justement le 1er septembre lorsqu'on fait le décompte. Aujourd'hui, c'est le 21. C'est le 21, il reste, on va dire, 10 ou 11 jours, même pas deux semaines pour aller à ce match important. Important, oui, le Togo n'est pas favori, disons-le, face à une armada de professionnels sénégalais. Et tout peut se passer, on est en football, mais bon, peut-être que c'est des matchs qui vont permettre à Paulo Rebelo Duarte de se faire une idée, de mettre quelque chose en place. Et il ne faut pas rêver tout de suite pour la Coupe du Monde, disent certains observateurs. Il ne faut pas rêver pour la Coupe du Monde, moi je ne suis pas d'accord. Ah, on peut rêver. Ça part d'abord du rêve. Le déclic vient d'abord de là. Il faut se mettre dans la tête qu'au-delà de la constellation de bons joueurs qu'a le Sénégal aujourd'hui, les Alidou Koulibaly, les Sadio Mané, les Abdou Diallo, les Idrissa Gana Gueye et tous les autres, même Palis Mendy, leur gardien, bien évidemment, qui vient de remporter la Ligue des Champions avec Edouard Mendy, Chelsea. Le Togo a sa carte à jouer. On n'a rien à perdre dans cette rencontre face au Sénégal pour cette entente des qualifications. Il faut visiblement mettre en place une équipe très compétitive qui pourra, en tout cas sur le plan technique, tactique, faire le poids face à cette formation dirigée par Aliou Cissé. Pour la petite histoire, sur les quatre confrontations que le Togo a disputées avec le Sénégal en qualification de la Coupe du Monde, le Togo n'a jamais été battu par le Sénégal. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, sur le plan des statistiques, même si au niveau de la régularité, de la constance, aujourd'hui le Sénégal est devant nous, première nation africaine au classement FIFA, bien évidemment, il y a notre carte qu'on doit pouvoir jouer. Et je pense que rapidement, il faut être dans la continuité de ce qui a été fait lors des dernières sorties de cette sélection en juin dernier en match amical face à la Guinée et à la Gambie, puisqu'il y a, il y aura plus de temps de préparation. Aujourd'hui, il faut visiblement se baser sur ces résultats-là pour pouvoir véritablement mettre en difficulté le Sénégal. Je pense que la clé pour battre le Sénégal partira d'abord d'un mental d'acier avec une défense qui doit être bien en place, avec les travaux de compensation qui doivent être faits, avec des joueurs qui doivent se battre pour la récupération collective du ballon. On ne veut pas voir des joueurs de la ligne offensive marcher à la perte du ballon. Ouadja sait de quoi je parle. Une équipe, c'est d'abord tout un équilibre. Si, par exemple, vous perdez le ballon, vous n'avez pas le ballon à votre possession et que vous marchez, cela ne permet pas à l'équipe de pouvoir véritablement faire face à l'armada de l'adversaire. Donc je pense que tous ces aspects-là doivent pouvoir rentrer en ligne de mire pour visiblement permettre au Togo d'aller très loin. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est quand même le doublé qu'a réalisé Fodolaba hier en début de championnat aux Émirats Arabes Unis. C'est bien. Dire que notre gâchette, en tout cas notre flèche devant est en forme et qu'il pourra également apporter toute son expérience à cette équipe. On le verra, Henri Akodo, très optimiste. Vous l'êtes aussi, Ouadja, dans ce match face au Sénégal? Oui, ça dépendra des joueurs.
Ça dépendra des joueurs. L'entraîneur, il vient d'arriver. Et ce sont les mêmes joueurs qui vont représenter le Togo, même s'il y a deux ou trois, quatre qui vont s'agripper. Et ça dépendra de l'état d'esprit des joueurs. Ouais. C'est eux qui doivent donner à l'entraîneur qui ne s'est pas trompé sur eux. Donc, il faudrait que les joueurs qui vont arriver se disent, c'est le Sénégal, ça va passer et ça passera. Très bien, Ico Rodrigue. Oui, pour ce match, il faut aller limiter les dégâts. Il faut mettre en place quelque chose. Il faut aller chercher la victoire. Qu'est-ce qu'on recherche justement dans ces genres de matchs pour une équipe qui a perdu son âme depuis un moment? Oui, je crois que le constat est clair aujourd'hui. Le Togo a perdu l'âme de son football. Aujourd'hui, nous avons fait un peu l'historique. Nous avons parlé des années 90-94. Nous avons parlé également des années 2000-2006. Est-ce que nous avons encore les mêmes capacités? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, quand mon confrère me parlait des statistiques entre le Sénégal et le Togo, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce Sénégal-là que nous avons face à ce Togo-là? Non. Donc moi, je dis, nous sommes en train de reconstruire cette équipe-là. Paulo Duarte l'a dit, il faut de la patience. Nous n'allons pas sauter rapidement sur les victoires ou bien chercher rapidement les victoires. C'est vrai qu'en football, 1 plus 1 ne font pas également toujours 2. C'est vrai également que nous sommes en football, ce n'est pas seulement la meilleure équipe qui gagne. Il arrive des stratégies à mettre en place pour pouvoir déjouer la meilleure équipe et faire gagner peut-être l'équipe qui a moins d'expérience. Donc, tous ces paramètres-là vont rentrer dans ce jeu-là entre le Togo et le Sénégal. J'espère que Paulo Duarte saura composer une bonne équipe, saura étudier l'adversaire et mettre peut-être des obstacles pour cet adversaire-là pour que le Togo puisse faire une surprise. Hans Mansro, vous connaissez bien l'équipe du Sénégal, vous connaissez bien celle du Togo. Ben, ça se présente comment? Déséquilibré déjà, hein? Oui, c'est vrai que si on tient compte du pedigree des deux formations, notamment ne serait-ce que sur les 10 dernières années, bon, il n'y a pas photo, a priori, parce que le Sénégal, c'est une constellation de joueurs de qualité qui évoluent dans les meilleurs championnats. Mais le football peut se jouer sur, disons, des situations impromptues, sur une action, et puis sans oublier que le Sénégal peut déjouer. Et c'est souvent même le cas pour le Sénégal à domicile, qui subit beaucoup de pression de la part de son public. Maintenant, il ne faut pas aller également au combat la fleur au bout du fusil ou déjà découragé, non. C'est un match de football. Sur le papier, le Sénégal pas favori, mais le Togo peut faire, n'est-ce pas, un coup. Donc il faut y croire, il faut avoir un mental d'acier parce que ça ne sera pas facile. Il faut avoir une approche assez cohérente et savoir ce que l'on veut, ce qu'il faut essayer de gérer l'adversaire durant la première partie et ensuite tenter des coups. Sur des balles arrêtées, il faut travailler également ces choses-là qui peuvent permettre à l'équipe togolaise de faire la différence. Je crois que Paulo Duarte, n'est-ce pas, est expérimenté. Il connaît bien le football africain. Il saura mettre sur pied une stratégie pour pouvoir revenir, qui sait, avec des résultats. Mais cela dit, tout dépendra des joueurs aussi. Il faut cette détermination qui a longtemps fait défaut. Et j'espère que cette nouvelle donne, n'est-ce pas, ce nouveau départ permettra d'avoir des joueurs conquérants, déterminés, qui comprennent donc la lassitude du public, qui comprennent ces joueurs la volonté du public de revoir les éperviers voler haut dans le ciel africain. Et ça passe par la responsabilité vis-à-vis du public, parce qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis du peuple. Tout comme le public aussi a une responsabilité d'aller soutenir l'équipe. Mais ça doit venir des joueurs pour pouvoir provoquer, n'est-ce pas, le retour du public vers le stade. Et moi, je voudrais, puisque l'occasion le permet, inviter le public, n'est-ce pas, à ne pas laisser tomber cette formation, cette sélection, parce que la sélection a besoin de sentir le public derrière elle pour pouvoir faire des résultats. Et il faut que les joueurs vraiment nous montrent, même si l'équipe est battue, qu'on sente qu'ils ont mouillé le maillot, qu'ils sont allés au charbon. Mais ils ont été battus. On ne veut pas des joueurs qui ont des comportements de sénateurs. Non, il faut réellement mouiller le maillot. Très bien, mouiller le maillot, c'est juste dans le coin. C'est le 1er septembre, ce match entre le Sénégal et le Togo pour
commencé les éliminatoires de Qatar 2022. On respire un tout petit peu, juste pour faire un rapprochement avec la CAN qui va avoir lieu très bientôt, en début d'année prochaine. Le tirage au sort a été fait, on va dire, il y a, en début de semaine, là-bas au Cameroun. Vous savez, c'est ce pays qui accueille la plus prestigieuse des compétitions de football sur le continent. Après le CHAN, le Cameroun est toujours là pour ce qui va réunir la crème du football africain en début d'année prochaine. Et le tirage a été fait. Ça donne 6 groupes. Désormais, c'est une CAN à 24. Et malheureusement, le Togo en a raté 2 déjà. Beaucoup se disent que c'est inadmissible. Lorsqu'on regarde le groupe A, on a le Cameroun, le pays hôte, le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Cap-Vert. Dans le groupe B, on a le Sénégal, le Zimbabwe, le Sili national de la Guinée, les Warriors du Malawi. Dans le groupe C, les Lions de l'Atlas du Maroc, les Black Stars du Ghana, les Sélakantes du Comore, les Panthères du Gabon. Et dans le groupe D, les Super Eagles du Nigeria, les Pharaons de l'Égypte, le Soudan, la Guinée-Bissau. Groupe F, le tenant du titre, l'Algérie, les Fennecs. On a la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et puis dans le groupe F, on a la Tunisie, les aigles du Carthage de la Tunisie, les aigles du Mali, les Mourabitoun de la Mauritanie et puis les scorpions de la Gambie. Voilà présentés les 6 groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations de football et les spéculations commencent déjà. Les Camerounais pensent que, oui, le Cameroun doit revenir au sommet de l'Afrique après le trophée gagné en 2017, si je me trompe. L'Algérie veut garder sa couronne. Le Sénégal, qui fait partie des meilleures équipes, des meilleures sélections africaines, veut également soulever le trophée en février prochain. Alors, on va faire rapidement le tour pour analyser les forces en présence, sinon les favoris. Regardons un peu dans ce groupe A où il y a le Cameroun, le Burkina, l'Éthiopie, le Cap-Vert. Ticket déjà pour le Cameroun et le Burkina, Hans. Oui, disons qu'a priori, le Cameroun et le Burkina ont leur chance. Maintenant, il ne faut pas minimiser également les autres adversaires qui se sont qualifiés au prix d'un parcours élogieux. Mais a priori, le Cameroun avec son public sera dans les dispositions pour pouvoir passer ce cap. Idem pour le Burkina, amené par Bertrand Traoré. Je crois que maintenant, les requins bleus du Cap-Vert et l'équipe d'Éthiopie vont tenter de jouer au trouble-fête. Mais les 2 tickets devraient normalement aller au Cameroun et au Burkina Faso. Vous voyez la même chose certainement. Bien évidemment, oui. Le Cameroun, grosse écurie du football africain, 5 fois champion d'Afrique, 84, 88, 2000, 2002, 2017. Ce sera la 20e participation. Le Cameroun est d'ailleurs la nation africaine qui a le plus participé à une phase finale de Coupe du Monde, 7. Donc c'est dire que le Cameroun a véritablement le vécu avec cette attente-là énorme du public. 1972, c'est la dernière fois que le Cameroun a abrité cette compétition. Aujourd'hui, avec Antonio Conceição et tous ses joueurs, Karl Toko, Ikambi, Vincent Boubacar, ils n'auront pas droit à l'erreur pour pouvoir aller tenter de décrocher une 6e étoile. Mais ça ne sera pas évident face à cette formation burkinabé amenée par le sélectionneur local, Kamou Malo, et ses jeunes joueurs, notamment Alassina Traoré, Bertrand Traoré, Sal Kaboré, qui sera de la partie, bien évidemment. Mais il ne faut pas également minorer cette formation capverdienne, les requins bleus, avec les Ryan Mendes, qui vont vouloir jouer un sacré coup. Bien évidemment, il faut préciser qu'il y a possibilité que, en tout cas, on puisse se qualifier avec une 3e place, puisque sur les 6 poules, les 2 premières équipes vont se qualifier directement, accompagnées par les 4 meilleurs de ces 6 poules-là. Les 4 meilleurs 3e de ces 6 poules-là. Mmh. Très bien. Le groupe B affiche ICO, le Sénégal, le Zimbabwe, la Guinée, le Malawi. C'est le Sénégal et la Guinée. Déjà. Qui sont les plus affûtés, les plus réguliers également. Sur le continent. Et quand vous voyez un peu aujourd'hui, on parle du Sénégal, c'est, on va dire, la meilleure nation de football sur le continent aujourd'hui, avec la en compagnie de l'Algérie. D'ailleurs, les 2 équipes ont joué la finale de l'édition dernière.
Et puis, c'est deux équipes également qui travaillent en amont, qui ont beaucoup de joueurs de haut niveau également. Donc, ça va se jouer entre les deux. C'est vrai également que dans ce genre de compétition, pas forcément les meilleurs qui gagnent. On se rappelle de l'élimination de l'Égypte lors de sa CAN organisée. Donc, ça veut dire que des surprises peuvent arriver. Mais, a priori, c'est les deux, le Sénégal et la Guinée. Ouais, déjà, certainement, lorsque vous voulez parler du Sénégal, vous vous souvenez certainement de ces matchs disputés en 2005. Un match nul, une victoire face au Lion de la Teranga. Donc, dans ce groupe B, on a le Sénégal, le Zimbabwe, la Guinée, le Malawi. Ouais, tout compte fait, je pense que tout le monde se dit que c'est le Sénégal et puis le Zimbabwe. Mmh. Mais comme le dit le football, en football, tout n'est pas mathématique. Hein. Pour le football n'est pas mathématique, donc tout peut arriver parce que les autres nations aussi qui se sont qualifiées ont fait un travail en amont, sinon ils ne seront pas à ce niveau. Aujourd'hui, il faudrait que les équipes qui se croient être les plus huppées sentent aussi qu'il y a d'autres équipes qui veulent aussi leur place. Donc, je pense que ça va se jouer entre le Sénégal et le Zimbabwe, mais les autres aussi, il faut faire attention. Le groupe, c'est le Maroc, le Ghana, les Comores, le Gabon. On dit quoi ? Qu'est-ce qui peut se passer dans ce groupe C, Hans ? Mais disons que ce groupe C, où vous avez donc ces différentes sélections, notamment le Maroc et le Ghana, partent avec les faveurs des pronostics. Maintenant, les Comores, le Togo en a fait les frais, peuvent jouer au trou le fait, idem pour le Gabon. Mais le Ghana est revanchard parce que depuis un moment, les Black Stars n'ont plus brillé de mille feux, loin s'en faut. Et ils vont tenter, sous la direction, la férule de Tchassakouno, de faire de bons résultats. Et idem pour le Maroc, qui a toujours été une équipe performante. Donc, là-bas également, je pense que les deux tickets devraient aller pour les Black Stars et justement l'équipe du Maroc. Est-ce qu'il ne faut pas faire très attention au Sélakant, pas au Sélakant, oui, les Sélakant des îles Comores, cette équipe accrocheuse, le Togo en sait quelque chose, face à une équipe des Lions de l'Atlas qui, on peut le dire, a disparu un tout petit peu sur l'échiquier, le Ghana qui ne fait plus forte impression, on se l'a dit. Est-ce qu'il ne faut pas vraiment faire attention à cette équipe des Sélakant? Elle est en pleine progression. Elle est en train de pouvoir gravir les échelons, cette formation comorienne. Les insulaires, depuis ces 10 dernières années, ont tellement progressé au niveau du classement FIFA. Et cela a forcément permis à cette équipe de pouvoir décrocher sa première qualification à cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ils ne viendront pas en victime expiatoire, bien évidemment, avec leur sélectionneur national Amir Abdou, qui a mis en place une équipe assez structurée, bien vertébrée. On les a vus jouer ici face au Togo, à Lomé, avec une bonne assise défensive, avec le capitaine Abdou, qui en tout cas incarne cette rigosité défensive-là, devant des flèches comme Youssef N'Sangama et Youssef Selemani Faez, un joueur très vivant, très percutant sur son côté droit. Donc c'est dire que les Comoriens vont vouloir créer la sensation face à ces Ghanéens, le Ghana, qui est sevré de titres quasiment près de 4 décennies. Et le dernier titre, c'était en 82, avec les Abedi Pelé. Aujourd'hui, les Ghanéens n'en peuvent plus. Ils veulent aller décrocher une 5e étoile. Est-ce que ce sera évident pour eux? Je ne pense pas, même si Tchatsakono a des éléments en sa faveur, notamment les frères Ayou, les Andy Yadov, Thomas Partey, tous ces joueurs-là qui veulent véritablement apporter également un plus au Ghana aujourd'hui. Mais le Maroc, je pense pour moi, reste le favori de cette poule, puisque aujourd'hui, avec Faïd Alilodit et ses joueurs Hakim Ziyech, récent vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, le Maroc également a pas avec les cartes. En tout cas, les faveurs des pronostics. Le Maroc et le Ghana ont déjà le ticket pour le tour suivant dans le groupe C. Il faut oublier les Comoriens, il faut oublier les Gabonais. Pas forcément, Franck. Et ce groupe C, à l'image du groupe A, c'est un groupe où il y a des équipes qui, on peut dire, sont équilibrées et il peut y avoir des surprises. Vous avez vu, surtout, moi j'ai mis sur cette équipe du Comore qui a depuis 4 ans une base solide.
vous avez vu, cette équipe a été battue par le Togo par 2-3 fois, mais cette équipe a continué à travailler. C'est là où on a parlé un peu d'indulgence au niveau du public, on a parlé de patience. Donc avec cette philosophie, cette équipe de Comores a travaillé et a obtenu sa première qualification. Mais ce qui est sûr également, c'est que il y a une différence entre les éliminatoires et la phase finale. Ça dépend, vous êtes qualifié pour la phase finale, ça dépend de la manière dont vous préparez la phase finale également. Donc, tout sera joué lors de... et puis, là, comment aborder la compétition. Donc, je pense que c'est vrai, on parle de favoris. Il y a le Ghana, qui est plusieurs fois aux phases finales. Il y a le Maroc, qu'on ne cite plus. Mais il y a des petits poussés, comme le Gabon, qui travaillent. C'est vrai également que le Gabon a perdu un peu la verve de son football, mais il faut compter surtout avec le Congo. Dans le groupe D, on aura deux géants du football africain, à savoir les Super Eagles, les Pharaons, et puis à côté de Petit Poussé, le Soudan, et puis la Guinée-Bissau. Les yeux fermés, on sait qui va passer, Wadia. Bien sûr, les yeux fermés, on sait qui va passer. Ce qui va passer, les deux géants du continent. Faut pas chercher le midi à 14h pour donner du crédit à ces deux équipes. Et les autres, comme je viens de le dire, le Soudan et la Guinée, ne sont pas arrivés là-bas par hasard. Il y a eu un travail qui a été fait, comme vient de le dire Rico. Préparer une éliminatoire, c'est une autre chose. Et jouer la compétition elle-même demande d'autres programmes. Parce que là, il faut jouer chaque deux jours. Et on met le corps à rude épreuve. Et c'est ce qui fait que les plus grands pays, les plus grandes nations du football sont toujours en avance sur les petites. Le Nigeria, l'Égypte, face au Soudan, la Guinée-Bissau, le choix est clair. Oui, le choix est limpide. Non, moi je pense que c'est vrai qu'on est en football et que les retours de la Guinée-Bissau, un peu comme les autres formations qu'on a eu à citer tout à l'heure, de même que le Soudan, ces équipes peuvent chercher à bouleverser un peu, n'est-ce pas, la hiérarchie. Mais le Nigeria, géant du football continental, l'Égypte sont des formations aguerries. Et je pense qu'il n'y aura pas photo dans cette poule. Les eaux dures de la Guinée-Bissau n'auront pas grand-chose à faire. Les Durtos vont rentrer après le premier tour. Voilà. Mais il faut retenir que c'est en football. Hein, tout peut arriver. Voilà. L'Algérie, dans le groupe E, c'est le tenant du titre. Hein. Ils ont gagné cette compétition avec un très beau football face au Sénégal. Ils sont là face à la Sierra Leone, face à la Guinée équatoriale et puis la Côte d'Ivoire. Après 90-2019, les Algériens voudront bien accrocher une troisième étoile à leur maillot. Ils ont quand même des atouts pour pouvoir rêver le faire. Aujourd'hui, ils ont l'un des meilleurs joueurs du continent au sein de leur effectif, Riyad Mahrez, Manchester City, avec un entraîneur, Djamel Belmadi, qui a fait un travail monstrueux. L'Algérie qui reste une série d'invincibilité de 27 victoires, c'est un record. En Afrique, ils ont battu le record de la Côte d'Ivoire récemment. Une équipe très combative, très compétitive, avec du beau jeu tourné vers l'avant. Des joueurs comme Ismaël Benacer qui est le créateur dans l'angle de jeu. Tout cela, en tout cas, ne donne pas forcément une garantie pour l'Algérie pour aller véritablement remporter à nouveau ce titre. Mais elle va forcément passer dans cette poule-là. Mais il ne faut pas occulter cette formation ivoirienne qui va opposer une très belle résistance à cette équipe algérienne. J'attends de voir cette rencontre qui s'annonce haletante parce que les Ivoiriens, double vainqueur de la CAN également, la Côte d'Ivoire, c'est 23 participations. C'est la deuxième équipe qui a le plus participé à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations avec Patrice Baumel et toute cette escouade de joueurs talentueux, notamment Franck Kessié, Massalin Gradel et pour ne citer que ceux-là, Sébastien Allain, et bien évidemment Nicolas Pépé, le joueur des Gunners. Ils voudront véritablement faire plaisir aux Ivoiriens avant la CAN qu'ils vont accueillir en 2023 à la maison. Ico Rodrigue, vous trouvez autre chose à dire par rapport à ce groupe E, où il y a l'Algérie, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et puis la Côte d'Ivoire.
Bon, mais l'Algérie est au-dessus, même si mon frère essaie d'expliquer un peu les capacités de la Côte d'Ivoire, l'Algérie est largement au-dessus. Il y a un travail de SAF qui a été fait du côté de l'Algérie, surtout avec leur entraîneur Belmadi, qui a ramené tout le monde à sa place. C'était ce que Kéchi avait fait à notre niveau. Vous savez que l'Algérie, depuis un moment, regorge de beaucoup de joueurs de talent. Mais cette équipe-là n'arrivait pas, hein, après Vahir Al-Hodjidj, à retrouver ses marques, malgré ses pliades de joueurs. Mais quand Belmadi est arrivé, il a essayé de remettre tout le monde à sa place, notamment les Riyad Mahrez, qui piquait la grosse tête, était revenu dans les rangs. Donc ça a donné, on va dire, beaucoup d'agressivité, beaucoup de combativité à cette équipe-là. Et cet entraîneur-là, qui également, moi je salue son intelligence, quand vous le voyez parler, quand vous suivez un peu cette début fine, je crois que c'est un entraîneur qui cherche et qui continue pas à chercher. Et ça a donné une autre philosophie au football algérien. Aujourd'hui, l'Algérie est au-dessus. C'est le favori numéro un de ce groupe. C'est le favori même de la compétition. De la compétition. Je veux bien croire, mais nous sommes en football. Si la Suisse peut sortir la France lors du dernier Euro, je pense que c'est ça la réalité du football également. Mais la sérénité, une bonne base, je crois que l'Algérie en a. Maintenant, la Côte d'Ivoire, oui. Et au-dessus des trois autres, je pense que la Côte d'Ivoire peut passer. Très bien. Le dernier groupe, le groupe F, Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie. Voilà. Il n'y a pas photo. Mm-hmm. Il n'y a pas photo, comme vient de le dire Hans. Il n'y a pas photo. La Tunisie est favorite. Donc, le reste, ils vont. Après, c'est le Mali. Deuxième ticket pour le Mali. Le Mali n'est plus l'équipe malienne qu'on connaissait. Mm. Même s'ils ont des individualités, ouais. C'est pas le. Il faut reconnaître que les pays maghrébins, les équipes maghrébiennes, collectivement et individuellement, ils ont une très bonne, de très bonnes équipes. Et nous, dans le subsaharien, c'est les individualités, on veut jouer dur, mais il faut reconnaître que le football maghrébin est au-dessus de nôtre ici. Donc, chaque fois qu'il y a une compétition, les favoris sont toujours de là. Hans, Mali, Tunisie, Mauritanie, Gambie. Oui, moi je pense que ce groupe me paraît un peu piégeux, hein, parce que c'est vrai que la Tunisie et le Mali ont, disons, un cran au-dessus des autres, mais la Gambie et la Mauritanie sont des équipes qui croient maintenant en leur capacité, parce que depuis quelques années, c'est des équipes qui sont en train de monter en puissance et qui sont en train d'être assez régulières au niveau des compétitions, même si la Gambie n'a pas le même niveau de régularité que la Mauritanie. C'est sa première participation. Voilà, sa première participation. Il y a des joueurs de qualité au niveau de ces différentes équipes, notamment la Gambie. Et ces équipes peuvent jouer libérées. Donc, essayer de surprendre le Mali et la Tunisie, qui sont plus connus sur l'échiquier continental. Il me semble que cette poule est véritablement piégeuse. Le Mali et la Mauritanie ne doivent pas vraiment jouer avec la fleur au bout du fusil. Et essayer de composter le ticket pour la suite de la compétition, sans quoi on peut s'attendre à avoir une grosse surprise dans cette poule F. Globalement, selon vous, qui est le favori de la compétition déjà ? Lorsqu'on regarde les sélections qualifiées, oui, il y a un ou plusieurs favoris ? Il y a trois favoris pour moi. Pour vous, oui. Entre autres, l'Algérie, oui. Maîtrise collective, technique, tactique, avec cette expérience-là, cette récente victoire. À côté de l'Algérie, il y a le Cameroun qui joue à la maison. Les Camerounais, quand on connaît la ferveur de ce public camerounais, je pense que les joueurs vont vouloir se transcender pour aller décrocher cette sixième étoile. À part le Cameroun, je pense que la Côte d'Ivoire, elle peut surprendre plus d'un. Nico, vous ? L'Algérie et le Sénégal, un remake de l'édition dernière. C'est les deux favoris à vos yeux. Wadia Lantam. Moi, je suis pour le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Hans, vous voyez la même chose ? Non, moi, j'ai trois équipes que je qualifierais de favorites dans l'ordre d'importance. D'abord, l'Algérie par rapport
à l'expérience, le noyau est resté, il y a cette confiance, et puis ils ont un bon encadrement technique. Ensuite, le Nigeria, et le troisième favori, selon moi, c'est le Sénégal. Le Sénégal. Alors, lorsqu'il s'agit de parler de ces genres de compétitions, et que derrière, on ne retrouve pas le Togo, c'est le choc, c'est la surprise, ou bien tout le monde savait que le Togo n'avait rien, et que cette absence, cette non-qualification était une logique. Ouais, c'est la résultante de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de choses, des vents contraires. Il y a eu beaucoup d'impairs qui n'ont pas du tout favorisé l'évolution de l'équipe. Et ça fait mal parce que maintenant que la compétition va se jouer avec un effectif pléthorique, le Togo ne s'est pas qualifié. C'est ça également le paradoxe de ce football togolais. Et il faut tirer la leçon de tout cela. Il faut maintenant transformer cette crise en opportunité, en énergie vivifiante pour aller chercher d'autres résultats et faire en sorte que, avec ce nouvel encadrement, on puisse commencer à faire des résultats. Mais comme on a dit, il faut faire preuve de patience. Il faut prendre du temps pour construire et construire sur des bases solides. Amertume, tristesse, lorsqu'on ne voit pas le Togo dans les 24. Je vais ajouter la frustration, la déception, la désillusion. Je pense aujourd'hui qu'au-delà de cette non-qualification, il faut tirer nécessairement les leçons, comme vient de le dire tantôt l'aîné Hans. Et pour tirer les leçons, je pense aujourd'hui qu'il faut revoir l'environnement stratégique, même structurel du football togolais. Il faut véritablement qu'aujourd'hui, qu'au niveau de la Fédération togolaise de football, au niveau étatique, qu'on repense un peu le développement du football depuis la base, avec cette mission-là qui doit être donnée à la Direction technique nationale, une mission qu'elle doit pouvoir bien mener, la détection, avec la formation, mettre l'accent sur la formation des formateurs, des entraîneurs, mettre le cadre idéal pour que notre championnat national puisse évoluer afin de pouvoir espérer des résultats probants pour les années à venir. Peut-être une journée nationale de prière pour exorciser le mal bientôt. On verra bien. 30 secondes, Iko. C'est de la déception totale. Le Togo était à la Coupe d'Afrique des Nations en 1972. Nous, on n'était pas encore nés. Alors qu'on jouait à 8. Toutes ces nations, l'Afrique n'a pas augmenté. L'Afrique est restée, les mêmes nations sont là. Mais à 24, le Togo n'arrive pas à participer à une Coupe d'Afrique des Nations. À une phase finale, c'est la déception. Et je crois que Rance a donné beaucoup de pistes. Si on veut être honnête, alors explorons ces pistes. Wadia, déception, amertume, tristesse. Tout. Je n'ai pas suivi le tirage parce que le Togo n'y était pas. Donc, moi, franchement, ça fait mal. On a du talent, on a tout au Togo pour être à chaque compétition, le Togo doit être représenté. Mais bon, comme l'a dit, autour de cette équipe, s'il n'y a pas de l'union sacrée, je ne pense pas qu'on ira loin. Très bien, place aux auditeurs, ils vont pouvoir placer quelques mots. Voilà. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Hein. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bon arrivé. Merci. Et la santé? Ça va. Sirop de Kikane. Hein. Tout va bien. Vous allez bien? Oui, ça va. Et je salue tout le plateau. Merci. Je salue aussi M. Florent Kataka spécialement pour tout l'effort qu'il est en train de faire pour la Désafoot. Ok, bon, en fait, mon appel aujourd'hui, c'était spécialement pour vous. Ouais. Et tant pis, ça fait 2 semaines. J'ai demandé votre numéro, mais je ne l'ai pas eu. Donc, hors antenne, si je peux reprendre ça, ce serait bien. Très bien. Allez, bonne continuation. À bientôt, un excellent week-end. Ok. Merci. Oui, quelqu'un derrière lui, allô? Bonjour, M. Franck. Bonjour, cher ami. Je suis fier d'entendre votre voix ce matin. Merci. Dieu merci que vous êtes revenu parmi nous. On vous attend espéré. Merci beaucoup. Je salue le plateau. Très bien. Et je suis très fier de la mission du jour. Très bien. L'émission a été très calme et très instructif. Et nous, on est là pour les supporter. S'ils font bien, on va les applaudir. Ouais. Je vous remercie infiniment.
Et je vous signale aussi que vos collègues ont bien assumé, M. Angelo Foulikou et Latif. Oui. Votre absence a été waouh, tout simplement. Très bien. Voilà bonne pourquoi journée. On est là. Hein. On se soutient, on travaille ensemble. Allez, à très bientôt. Allô, allô. Bonjour. Bonjour. C'est Monsieur Thomas. Monsieur Thomas. Oui. Vous nous appelez d'où? À Kota. Ben Kota. Mm-hmm. On vous écoute. Merci d'être de retour parmi nous. Je voulais remercier le plateau aussi pour les analyses. Oui. Mais spécialement M. Rance Masso. Merci. Il a fait des analyses pertinentes. Mm-hmm. Mais je veux dire quelque chose. Nous, le public, dès la convocation des joueurs, on a des motivations. Mais aujourd'hui, avec la convocation des joueurs, quand tu vois la liste, déjà, tu sais ce qui va se passer. Parce qu'il y a trop de business. On ne peut pas comprendre que durant 3 ans, un joueur qui évolue en deuxième division aux Pays-Bas, qui cumule plus de 30 matchs par saison, n'est pas convoqué. On convoque un joueur de Versailles, on ne comprend plus rien. Au même poste. Merci. À très bientôt, cher ami. Excellent week-end. Voilà, le 92 03 60 31, le 97 24 26 26, pour avoir accès à cette émission. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom? Gervais Lasson. Ah, Gervais, tout va monsieur bien? C'est monsieur Rance Lombier. Oui. Rance Masso. Oui, bonjour, Gervais. Comment vous allez? Je vais très bien, ça fait longtemps. Ah, ça fait un bail. Et quand j'ai entendu votre voix, je suis très heureux. Je me souviens des années de 2002 à 2006. Et bonne émission à vous et bonne santé à tout le monde. À très bientôt. Merci beaucoup. Oui, Gervais Lasson à l'instant. Le coq a chanté au même moment. Mm-hmm. 92-03. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, épervier de Kégué. Comment est la santé? Ça va. Non, je vous félicite. Merci. Tout ce que vous faites pour nous. Très bien. Je salue M. Florent Sataka. Mm. Et je salue Hans Massereau. Mm. Quand j'écoute la voix de Hans Massereau, je me souviens de 2006 avec notre qualification. Mm, pour la Coupe du Monde. Que Dieu lui donne la santé pour nous donner tout ce qu'il a. Il a cité quelques journalistes. Mm. Je ne peux pas donner les noms. Je prends le temps. Oui, il a cité Aimé, Blaiso, Elzo et tous les autres. Ils sont en train d'écouter ce qu'ils n'ont pas continué. Ça va aller. Mm-hmm. Avec tout ce que la convocation qu'ils ont fait là. Non, on ne peut pas négliger. Quel qu'en soit celui qui est appelé, il est togolais. S'il joue, que Dieu nous donne la chance. Mm-hmm. Le maïs qu'on va amener au moulin, ce n'est pas tout le maïs qui sera bon. Il y aura un petit déchet dedans, mais quand on fait la pâte, on ne veut pas voir un déchet dedans. Mm-hmm. Donc, la bonne chance à notre entraîneur, et la bonne chance à Jonas Fokou avec les locaux, mais quel qu'en soit ce qu'ils ont fait avant-hier, c'est une test pour que demain sera bon. Mm. Bye bye, je salue notre. Le vieux journaliste. Très bien. Bon, bye bye. À très bientôt. Excellent week-end. On prend le dernier, Sylvain, et avant de mettre fin à cette émission. Allô? Ah, oui, bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami. Ça parle de bien, Barbido. Coro, tout va bien? Ça va. Très bien. Je demande à Fritou d'arrêter un peu de faire les histoires. Vous demandez parce à qui? Je parle à Fritou. Oui. Le club national africain. Oui. Le passé, c'est du passé. On n'a qu'à travailler sur le footy pour avoir le résultat. Mm-hmm. Parce qu'on aime trop rencontrer les années tant, mais. Oui, tout ça là aussi, c'est important de les rappeler parfois. Oui, je suis d'accord, mais on n'a pas pu profiter. Donc, il faut continuer l'avenir, puis on
on regarde le débat. Bonjour. À très bientôt. Voilà, ce sera le dernier intervenant. Merci à Henri Akodo qui nous vient de Afrique Express Sport. Merci à Iko Rodrigue qui également était à studio. Merci à Wadia Lantam, coach de l'AS Binan, ancien capitaine des Éperviers. Merci à Madame Judith Combaté qui est la présidente de l'association des anciens athlètes du Togo, son secrétaire général qui était là, Julio Agougnon, à Danke Anani, le vice-président de cette association. Merci Angelo Folico qui était dans cette émission. Merci également à Hans Massereau qu'on ne présente plus. Merci d'être merci venu. Et on espère vous retrouver très bientôt dans d'autres émissions. Et l'homme à Dovon pour la vidéo, à NASPM pour la mise en onde technique. À très bientôt.